Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue pour ce podcast, une nouvelle formule où on va écouter ensemble un podcast et on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui en est dit, le vrai du faux, et ensemble essayer de trouver justement des informations pour justement avancer dans le cadre de la reconnaissance du TDAH. Donc bonsoir à tous, installez-vous. Évidemment, j'espère que vous avez pris de quoi boire, de quoi manger, de quoi écrire. Et on va bientôt démarrer. Donc bonjour, bonsoir, typique atypique, Aurélie, Christelle, Stéphane, bienvenue, Agathe, installez-vous. Donc début calme, évidemment, on commencera tout doucement. On va écouter ensemble ce podcast. Et on va débriefer dessus pour voir au final avec quoi on peut être d'accord, avec quoi on peut se poser des questions. Évidemment, bonsoir Céline, bonsoir Sabrina, Laure, Sophie, Julie, bienvenue, installez-vous. Bonsoir Caro. Donc, on va débriefer ensemble tout ça. J'espère que vous allez bien, milieu de semaine. Peut-être que c'est les vacances d'ailleurs pour certaines d'entre vous. Bonsoir Vanessa, bonsoir Laurence, bienvenue, bonsoir Julie. Je vois que vous êtes nombreux, nombreuses. Ah, bonsoir Benoît. Donc bienvenue, installez-vous. Hop. Bonsoir Carole. Bonsoir Léo, comment tu vas? Hop, me voilà. Hop. Alors, comment allez-vous? Bonsoir Christine. Donc, objectif, ensemble, écouter le podcast et pouvoir questionner certaines choses. Par contre, je vous l'ai dit, deux règles fondamentales qui vont conduire l'intervention, ce n'est pas une critique de Caroline Goldman et ce n'est pas une critique de la psychanalyse. D'accord? C'est une réflexion sur le podcast du TDAH. D'accord? De voir qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles on doit effectivement se questionner, et d'autres choses où je me pose des questions sur certaines interprétations, et donc on va pouvoir en discuter ensemble. Bonsoir Isabelle. D'accord? Donc vraiment important pour moi parce que on est sur les réseaux sociaux. Si j'ai envie de faire un débat avec quelqu'un, je l'invite. Ici, c'est plutôt écouter et discuter autour d'informations. Et on n'est pas sur un cadre vraiment de débat qui sera proposé ensuite. Mon objectif, c'est d'envoyer d'ailleurs la séquence à Caroline Goldman après, pour voir un petit peu si on peut se retrouver à un moment donné pour en discuter et de voir comment ça va avancer. Bonsoir Estelle, je ne vais pas pouvoir rester car j'ai boulot. Pas de problème, de toute façon la vidéo reste sur le site. Donc aucun problème de ce côté-là. Bonsoir Lexia, bonsoir Alice, bonsoir Hélène. Donc je vois que vous êtes vraiment nombreux pour venir écouter ça. Alors je sais que ça a un petit peu dérangé certaines personnes, hein. Je vous le dis direct aussi. Donc, aussi bien le podcast que l'intervention qu'on va faire ensemble. Donc, vous êtes prévenus au cas où il y a des gens qui pètent un câble. On ne sait jamais. Ça sera modéré, hein, vous inquiétez pas. Mais bonsoir, Sarah. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence d'ici 2-3 minutes. D'accord? On va tester un peu le son juste après. Et on va voir comment ça se passe. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Stéphanie. Dites-moi juste si, quand je lance, vous entendez bien. Bonjour à tous, merci pour votre intérêt. Je suis Caroline Goldman, psychologue pour enfants et adolescents. Alors, est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que vous entendez bien le podcast? Bonsoir Lys, on entend tout très bien. Bonsoir Sophie, bonsoir Laurie. Parfait. Magnifique. Ok. En plus, si la technologie suit, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Donc,
on entend tout bien. En même temps, à partir du moment où on donne un avis scientifique sur la psychanalyse, on se fait lyncher. Encore une fois, c'est pas une critique de la psychanalyse. On n'est pas là pour ça. Bonsoir Johanna. Et je me suis pas fait lyncher du tout, hein, loin de là. Hein. On m'a, justement, on m'a dit que c'était une question qui valait la peine d'être menée. Donc, okay. Non, non, moi je me suis pas fait lyncher hein, du tout. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, super. Donc, la technique suit, on est plutôt bien. D'accord. Donc, bienvenue à tout le monde. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Bénédicte. Tac. Ok. Donc, je pense que on a tout le monde, la technique fonctionne. Vous êtes bien. Ok. Donc, je me répète, objectif, c'est de pouvoir écouter le podcast et d'en discuter, de se positionner. Moi, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est d'amener certaines questions en fait, que je me pose. Donc, moi, je l'ai déjà écouté 3 fois, d'accord, pour préparer notamment le live avec des questions. Et je pense qu'il y a juste des toutes petites incohérences, mais qui relèvent, à mon sens, plus de... soit de mauvaise interprétation ou d'interprétation différente, parce que je ne veux pas dire mauvaise au final, mais d'interprétation différente d'un même élément, et parfois des petites erreurs en soi, avec, à mon sens, mais ça ne concerne que moi, et c'est pour le coup, c'est, ça ne, ça intervient que chez moi, avec peut-être parfois un petit peu un discours un peu qui aggrave un peu les choses, et donc. C'est ça qui est un peu dommageable. Je pense que le message est un peu négativiste à certains moments. Donc, évidemment, on va essayer de rectifier peut-être ça. Et je vais pas tomber dans l'exact opposé. D'accord? Donc, pour ceux qui ont déjà entendu le podcast, attention aussi. Moi, je vais pas vous dire que tout ce qui a été dit est faux totalement, ça ne sert à rien. Que du contraire, il y a des éléments qui sont vraiment pertinents et qui nécessitent d'être discutés. D'accord? Et derrière, ben, évidemment, d'amener peut-être un peu plus de nuances que de prise de position un peu forte à un moment donné. D'accord ? Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. Et donc, on va se lancer tout doucement. D'accord ? 3 fois dur, dur. Non, la première a été compliquée parce que j'étais un petit peu pris au vif. D'accord ? Donc, c'est un peu ça. J'ai été pris au vif et ça m'a un peu énervé sur le coup, mais en réécoutant, au final, ça va. Sincèrement, ça s'est passé. La deuxième et la troisième fois se sont bien passées. Est-ce que le discours serait pas aggravé par moment avec la musique de fond? Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention. Je sais qu'il y a la musique au départ, mais j'ai pas fait attention à la fin. Bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on se lance. Donc, je vais lancer des séquences. D'accord ? Je ferai des pauses, et comme ça on pourra échanger sur certains points, et je vous amènerai bah, mon point de vue, avec bah, des données aussi, qui viendront peut-être à certains moments bah, soutenir ce qui a été dit, et des fois un petit peu potentiellement poser des questions et contredire un peu les choses. D'accord ? Bonsoir Roxane. On a les 100. Ah oui, Alice, c'est vrai. Mais la tâche, je l'ai déjà envoyée. Hein. Bien. Allez alors, on est parti. D'accord ? Donc, je coupe mon micro et je lance celui, le podcast. Est-ce qu'on va entendre l'intégralité ? Très bonne question, Plume. Il y a un seul élément que je vais passer et je vous expliquerai pourquoi au moment où on va le passer. D'accord ? Mais sinon, on va entendre toute la réflexion théorique sur le sujet. Après, il y a une partie sur des cas cliniques qui, moi, je trouve, sont extrêmement intéressantes. Mais... je vais pas discuter de cas cliniques en fait parce que je les connais pas, parce que bah j'ai pas les informations, et ce sont les cas cliniques de Caroline Goldman. Donc moi, je vais pas me permettre d'aller intervenir sur des questions cliniques de patients à elle. Je vais pas intervenir, surtout que bah dans le podcast, évidemment, c'est une toute petite partie au final du podcast. Donc c'est intéressant à écouter parce que moi, je suis fan de cas cliniques, j'adore écouter des cas cliniques, mais dans l'intervention qu'on va faire ici, je pense pas que ça va être très très pertinent. Donc, on coupera juste la partie cas clinique, effectivement. D'accord ? Bien, allez alors, on est parti. Donc, bonne écoute, un bon début, d'accord ? Et après, on embraye. Allez, c'est parti.
Bonjour à tous, merci pour votre intérêt. Je suis Caroline Goldman, psychologue pour enfants et adolescents, j'ai un doctorat, j'ai enseigné 15 ans à l'université, publié quelques livres, et je reçois et soigne des enfants depuis presque 20 ans en cabinet libéral. Mon métier me passionne chaque jour et je ne me lasse pas d'en parler. Cette série de podcasts s'inscrit dans une démarche d'information et de prévention en santé mentale de l'enfant. Je n'aborderai pas ici ce que chacun sait. Vous ne m'entendrez pas louer les vertus de l'amour ou condamner la maltraitance. Ces vérités me semblent aujourd'hui admises par tous, je m'en réjouis, et je pense n'avoir rien à apporter dans ces registres. Mon objectif est ailleurs, et il est double. D'abord, synthétiser des dimensions éducatives fondamentales qui me semblent trop peu abordées de manière générale. Par exemple, comment apprendre aux enfants à gérer la frustration à partir de l'âge d'un an et de façon réaliste? Comment leur donner vraiment confiance en eux? Comment leur annoncer les mauvaises nouvelles, etc. Ensuite, j'observe avec une certaine perplexité qu'en 2022, il existe toujours un fossé immense entre certaines réalités indiscutablement démontrées par la science et ce qui est véhiculé dans les médias, parfois d'ailleurs en se réclamant d'inspiration scientifique. Je pense par exemple au haut potentiel intellectuel, à l'hypersensibilité ou à l'éducation positive bienveillante. J'aimerais donc également que ces podcasts participent à contrarier ces contre-vérités médiatiques qui ne sont pas sans effet sur la santé de nos enfants. Bien. Donc, on a commencé ici par une présentation, d'accord ? Donc, l'idée, effectivement, c'est de se présenter, s'intégrer, c'est intéressant. Et surtout, elle donne les objectifs du podcast. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, elle va amener sa patte clinique sur le sujet et de réfléchir sur la patte clinique à un moment donné. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rentrer dans une démarche scientifique. C'est son objectif. Donc, l'objectif, d'aller contre les contre-vérités basées sur des données scientifiques, au moins... la place, d'accord, elle est posée, d'accord. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont clairs et nets. L'avantage d'avoir cet aspect d'objectif clair et net posé, au final, c'est que derrière, la critique peut évidemment se positionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a vocation à utiliser la science et les données scientifiques, tant mieux, parce que alors ça veut dire qu'on peut rentrer dans un débat, on peut rentrer dans un échange et donc se positionner à partir de données. C'est ça qui fait la science, c'est de pouvoir discuter, de ne pas être forcément d'accord sur certains éléments, mais au moins, elle pose une démarche scientifique dans son discours. Et ça, déjà pour moi, ça reste intéressant, parce que comme ça, on va pouvoir nous-mêmes nous positionner par rapport à cette démarche en question. J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Critique du TDAH. Je vous ai proposé dans mon précédent podcast un petit cours magistral sur les grands principes simplifiés de la psychopathologie psychanalytique. L'écoute de ce précédent podcast sera nécessaire pour bien comprendre celui d'aujourd'hui, car je ferai de nombreuses allusions à des notions éclairées précédemment. Je vous propose donc... non pas un exposé sur le TDAH, mais un avis critique à son sujet. Je m'excuse donc par avance de l'effet à charge que donneront la succession de reproches que je m'apprête à vous partager. Ce podcast ne fera pas consensus et je m'y attends. J'aimerais néanmoins préciser que je n'y remettrai pas en question l'existence du TDAH chez de très rares enfants ayant rencontré des entraves préfrontales sur la partie orbito-frontale de leur cerveau. Alors... ici, on va commencer, donc sur l'idée, c'est de ne pas revenir sur le TDAH. Donc ça, c'est une chose. On ne va pas revenir sur la définition même du TDAH. C'est intéressant. Elle part du principe que ça va être à charge. D'accord aussi. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. C'est-à-dire de venir et de dire, voilà comment je vais exposer les choses. Oui, ça va être à charge. Ça ne fera pas consensus que les choses soient claires et nettes. Eh bien, tant mieux. Parce que l'avantage, c'est que quand on est sur cet aspect-là, ça veut dire qu'on accepte aussi la critique dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être à charge sur quelque chose, c'est parce qu'on accepte aussi de recevoir en échange certains éléments. Donc moi, personnellement, je trouve que intellectuellement, c'est intéressant de pouvoir poser déjà les bases. Après, il y a tout de suite un argument. C'est-à-dire que elle va arriver sur quelque chose de dire « je ne remets pas en cause le TDAH ». Intéressant, d'accord ? Au moins, c'est clair. Mais chez de très rares enfants, d'accord, avec des entraves orbitofrontales. Ok, donc là, on rentre dans une démarche qui est vraiment médicale,
C'est-à-dire que, potentiellement, quand elle a un enfant qui pourrait présenter plus ou moins les mêmes symptômes qu'un TDAH, comment on peut savoir qu'il y a une entrave orbitofrontale chez lui? Comment cliniquement on fait la différence entre une entrave orbitofrontale et pas? D'accord? Donc l'idée déjà, il y a une réflexion qui est derrière, c'est de se dire, ça existe chez très peu d'enfants au final avec des particularités cérébrales. D'accord, donc ça veut dire que dans notre cabinet, on va vérifier qu'il n'y a pas d'entrave cérébrale. Ce qui, objectivement, aujourd'hui, n'est fait par personne. Hein, d'accord? Globalement, on ne va pas aller vérifier cet aspect-là, sauf dans des cas vraiment extrêmes. Ok? Donc en fait, la terminologie qui est là, qui est utilisée, elle est déjà un petit peu, d'accord, un petit peu problématique pour moi, d'accord. C'est-à-dire, c'est d'utiliser des termes neuroscientifiques au final qui déjà font pas spécifiquement. Alors, c'est pas une question de consensus, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à évaluer chez les patients TDAH. Donc déjà, c'est très compliqué. Et deuxième chose, qu'on n'évalue jamais. Donc en soi, c'est dur de dire qu'il y en a très peu alors qu'on vérifie pas systématiquement. Donc déjà, on a quelque chose là qui est particulier. D'accord? Pour tout ce qui est terminologie, entrave et ainsi de suite, disons qu'on est aussi dans un, là pour le coup, dans une sémantique aussi qui est liée à la psychologie analytique. D'accord? Donc moi je ne vais pas définir, parce que déjà je serais incapable de vous définir les questions, les définitions des termes utilisés en psychanalyse, en approche psychopathologique analytique, j'en sais rien en fait, ce qui est caché derrière, d'accord? J'ai pas un dictionnaire avec moi, donc je vais pas revenir sur ces éléments-là évidemment, mais comme ça, on voit déjà que, un, l'existence même du TDAH n'est pas reniée, et ça c'est important, d'accord? C'est-à-dire que le TDAH, on est d'accord que ça existe, mais en plus petite quantité au final qu'éventuellement ce qu'on va nous dire dans les médias, et surtout c'est lié à des entraves neurologiques. Mais moi, quand on me dit ça, je me dis, mais comment on fait pour vérifier ces éléments-là? Et donc, la question, c'est est-ce que ça va être dit après ou pas? Par exemple, en raison de séquelles de prématurité, d'alcoolisme fœtal ou de soucis d'oxygénation à la naissance, et qui pour cette raison ne parviennent pas à se concentrer et ou s'agitent. Je renvoie d'ailleurs pour cela aux préconisations de la Haute Autorité de Santé de 2014, régulièrement remises à jour. Je ne remettrai pas non plus en question la souffrance des familles, que je ne connais que trop bien, et l'effet parfois immédiatement soulageant que la médication peut avoir sur les symptômes de leurs enfants. Mais il me semble impératif de mener aujourd'hui une réflexion intellectuelle sur l'omniprésence du TSA et du TDAH, qui semblent aujourd'hui avoir avalé toutes les nuances passées de la pédopsychiatrie en général et de la psychopathologie en particulier. Les quatre lettres du sigle TDAH signifient trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il englobe, comme son nom l'indique, des enfants ayant un trouble attentionnel, c'est-à-dire du mal à rester attentif face à leurs tâches, avec ou sans hyperactivité, c'est-à-dire avec ou sans agitation motrice associée. Si ces symptômes font l'objet d'observations depuis la nuit des temps, cette maladie est officiellement née aux États-Unis dans le DSM. Bon, là, ça va être compliqué, là, déjà. Enfin, donc, alors, au-delà du terme maladie, parce que là, on pourrait faire un débat rien que sur la terminologie. Mais déjà de dire que c'est né aux États-Unis dans le DSM, pour moi, déjà, c'est un petit peu compliqué. Alors, la terminologie maladie, je vais revenir tout de suite, parce que il faut savoir que, par exemple, dans la CIM, donc la classification internationale des maladies, d'accord, vous allez retrouver le TDAH. Okay? Donc en soi, c'est pas ce qui me choque le plus, hein. Sincèrement, ça me gêne pas spécial. Enfin, ça me gêne pas plus que ça, je vous le cache pas. D'accord? C'est pas une terminologie qui va me déranger, même si on est bien d'accord que c'est un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'accord? Mais en soi, terminologiquement, je peux encore entendre. D'accord? Encore une fois, on le retrouve dans certaines classifications. Par contre, de dire que c'est né dans le DSM, d'accord? Alors, la terminologie TDAH, la première apparition du sigle TDAH, elle n'a pas tort, d'accord? C'est effectivement dans le DSM qu'on va retrouver la première fois ce sigle. Mais en fait, en disant ça naît dans le DSM, en fait, ça fait quand même abstraction de toute l'histoire qui est derrière, d'accord? Donc, c'est ça qui est un peu dérangeante, d'accord? Pour moi, c'est un petit peu ça qui me perturbe un peu, d'accord? C'est de dire, on nie l'historique et ça apparaît là, spontanément là-dedans. Peut-être qu'après, on a une explication, bien sûr, d'accord?
Et donc, bah, la question, c'est un petit peu ces éléments qui sont présents. D'accord? Entrave, c'est pas du tout un terme psychanalytique, c'est ça figure dans la plupart des définitions des troubles neurodéveloppementaux. Oui, je pense que la question, Léonard, ici, c'était vraiment qu'est-ce qu'on entend par entrave du cerveau, une entrave orbitofrontale. Mais effectivement, donc voilà, si c'est pas une terminologie qu'on utilise en psychanalyse, tant mieux, enfin, en soi. Comme ça, on est sûr que ça n'est pas un peu cet élément-là. Donc ouais, ok. Qui est la classification américaine des maladies mentales. Sa naissance récente tient au fait que la maladie mentale aux États-Unis s'organise de façon assez originale. En effet, certaines maladies naissent de laboratoires pharmaceutiques et sont conçues secondairement parce qu'une solution pharmacologique a révélé un pouvoir d'action sur certains symptômes. Ce n'est donc pas l'observation sur le terrain des patients malades qui donne lieu à la découverte de maladies, mais le pouvoir d'action de molécules élaborées dans des laboratoires. Les chercheurs ont donc un jour découvert le méthylphénidate, un psychostimulant proche de l'amphétamine, que vous connaissez certainement sous les noms des médicaments commercialisés, Ritaline, Concerta, Quasim ou Medikinet. Ces chercheurs ont remarqué sa capacité à mobiliser l'attention et à ralentir la motricité, et ont par conséquent choisi d'associer sous un même intitulé ces deux symptômes, difficulté attentionnelle et agitation, qu'ils ont appelés TDAH. Bon, ben c'est là que ça bloque, hein, en fait. Historiquement, si on veut regarder un petit peu, bah, le TDAH, c'est avant la prescription, hein. C'est avant l'apparition des molécules. Et la question, elle est là, en fait. C'est que on n'est pas derrière l'idée de créer des maladies parce qu'on trouve des pathologies. Ça n'a pas de sens. On crée des médicaments pour essayer de réguler certains éléments. Donc, il faut faire attention à ça, parce que c'est vraiment exclure l'ensemble de l'histoire du TDAH. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est quand même que je suis assez étonné, puisque plus tard, en fait, dans le podcast, on y reviendra d'ailleurs sur le sujet, bref, Karen Goldman nous dit quand même qu'elle a lu le consensus mondial sur le TDAH, d'accord? Et simplement, si on regarde, bah, on a quand même pas mal d'articles sur l'histoire du trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, avec des approches quand même, bah effectivement, fin 18e, début 19e siècle, quand même, qui sont, enfin, ouais, fin 18e, début 19e siècle, on a quand même pas mal de choses, Alexander Crichton, depuis on a quand même d'autres approches également. Et il faut savoir que en termes d'histoire du TDAH, ce qui est assez, j'ai envie de dire, intéressant, c'est de voir que des auteurs et des médecins français, donc il faut savoir que les premières questions sur le TDAH, et notamment sur l'inattention, l'agitation et ainsi de suite, naissent en fait en Europe, c'est-à-dire qu'elles naissent en Allemagne, elles naissent en Angleterre, elles naissent en France, d'accord, avant même que ça soit traité aux États-Unis. Et donc c'est assez étonnant au final de penser, encore une fois, donc si on reprend, hein, on a Hoffman ici en 1800, début des années 1900, enfin sincèrement, ça existe, hein, Frédéric Steele aussi, qui en 1902 émet ce genre d'hypothèse. Je pense en fait qu'il y a une espèce de problématique là quand même, d'accord? Si on regarde un peu, bah, si on reprend le consensus, vous l'avez en français, hein, je vous le mettrai en lien, mais si vous avez, alors il y a toute la méthode, mais hop, je veux dire, en fait, on a un historique qui existe. Alors, pas sous le terme de TDAH, mais en fait, il y a plein de pathologies qui évoluent en termes de terminologie. D'accord? Je prends juste les aspects de trouble développemental de la coordination. D'accord? Le trouble développemental de la coordination, ça apparaît avec le DSM-5, effectivement, en 2013. Est-ce qu'on remet en question le fait que le trouble d'acquisition de la coordination qui était avant, ben en fait, soit pas la même pathologie? Ben non, en fait. Parce qu'on connaît le syndrome hyperkinétique, on connaît aussi ces aspects justement liés à l'inattention, avec des difficultés attentionnelles, à la fois avec de l'agitation et à la fois ben, avec de l'hypoactivité. On a quand même des éléments donc qui sont historiquement marqués, d'accord? Et pourtant, ben, on est quand même un petit peu sur quelque chose en disant non, 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 c'est aux États-Unis et ça sort des laboratoires. La problématique de cet argument-là, c'est que, un, sur quoi elle se repose, ben, c'est sur le terme TDAH. Et donc là-dessus, elle a raison, d'accord? C'est vrai que le terme TDAH en lui-même,
Bah, effectivement, il apparaît pour la première fois dans le DSM. D'accord. Mais après, la question, c'est quoi? C'est de se dire, mais c'est une évolution, le terme a évolué avec nos connaissances, et il n'est pas apparu spontanément comme ça à un moment donné. Et quand on regarde justement tout ce travail d'histoire de la pathologie, bah, évidemment que on a quand même pas mal d'éléments en Allemagne, au Royaume-Uni. Bah oui, ok, on est toujours en Allemagne, on est en France à un moment donné quand on se pose ces questions-là, d'accord? Et au final, bah, ça apparaît aux États-Unis bien plus tard, en fait. C'est ça qui est assez important, ok? En sachant en plus que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aux États-Unis, avant l'apparition du méthylphénidate, d'accord, il faut savoir que ben, on a des amphétamines, effectivement, le benzédrine par exemple, qui est déjà mis sur le marché pour ce genre de choses, et déjà en 1937, avant l'apparition du méthylphénidate. Donc en fait, c'est la question, elle est vraiment centrée sur ben, la terminologie TDAH n'est qu'une évolution historiquement d'un trouble, d'accord? Ok, mais après, derrière, bah, ça me dérange un peu qu'on fasse le lien avec labo pharmaceutique, et hop, alors c'est pour ça qu'on a trouvé ce terme-là. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, d'accord? Donc pour la question historique, je suis un petit peu sceptique hein, sur la démarche qui est derrière, en tout cas. Ok? Donc comme ça, mais historiquement, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pathologies qui aujourd'hui évoluent et qui changent de terminologie à certains moments, elles se précisent en fait avec nos connaissances. Et c'est là peut-être que ça bloque un peu sur cette notion-là, d'accord? Dans la CIM, en fait, bah, ça existe, mais sur les troubles hyperkinétiques. En fait, aujourd'hui, maintenant, c'est troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais par contre, ouais, je sais pas, c'est dans la CIM, on retrouvait déjà l'élément, mais qui on retrouve dans d'autres classifications, pas sous le nom TDAH. Effectivement, le TDAH, on peut dire que c'est cet aspect-là. Donc voilà, ça c'est le premier élément avec lequel j'étais un petit peu bloqué aussi. D'accord? Ça, pour moi, ça m'a un peu dérangé à la lecture du podcast. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au TDAH et qu'on a cet historique qui est derrière, la problématique, c'est que cette entrée en matière, d'accord? C'est-à-dire, le TDAH, ça existe, mais c'est de très rares cas, avec des entraves particulières au niveau cérébral. Ok. Donc, on n'est pas entièrement d'accord sur la prévalence du trouble. D'accord, pas de souci avec ça. On enchaîne avec un historique qui est basé sur, c'est les labos pharmaceutiques, d'accord? J'ai un peu plus de mal. En sachant qu'en parallèle du DSM, encore une fois, bah, vous avez la classification internationale des maladies, qui est pilotée par l'OMS, et qui retrouve aussi le TDAH, d'accord? Pas sous cette terminologie-là, mais qui colle en termes de symptomatologie, et ainsi de suite. Et là, la critique, elle va se baser que sur le TDAH et sur le DSM, d'accord? Donc, c'est là que ça bloque peut-être un petit peu. Mais peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses. C'est-à-dire que peut-être que Caroline Goldman, dans ce podcast, n'a pas en tête le même trouble, d'accord? Ça? Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ok? Donc, ouais, Antoine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis d'accord sur cet aspect-là. C'est pour ça que je disais, pour moi, l'intro me choque pas. D'accord? Moi, c'est ça qui me dit cet aspect-là. C'est l'intro en soi me choque pas parce que je peux entendre qu'on se dise par rapport aux patients que j'ai en face de moi, ben, au final, je pense qu'il n'y en a pas autant que ce qu'on veut me dire, d'accord? Parce que j'ai d'autres choses en tête. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai pas de problème là-dessus, d'accord? Donc évidemment, on est tout à fait d'accord. Et c'est juste moi l'élément juste après sur l'historique qui m'a un peu embêté sur la première entrée. Donc c'est juste ça que je voulais souligner sur l'histoire du TDAH. Parce que ça, je pense quand même que ça fait un peu. Pour moi, ça dessert le podcast à un moment donné. C'est un petit peu cet élément-là. Donc, vous avez aussi un très bon article. Hop. Je vais vous montrer ça. Qui reprend l'intégralité aussi de l'histoire du TDAH. Aussi à un moment donné.
que je voulais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Hop là. Vous pouvez regarder dans la revue Nature, qui est quand même sans doute une excellente revue. Je pense que peu de personnes vont vont remettre en question, même s'il faut faire attention, évidemment, il faut rester critique. Mais Pharaon, en 2015, avec ses collaborateurs, ont publié en fait tout l'historique du TDAH et l'apparition des éléments. Et donc effectivement, ce qu'on va avoir, c'est les réactions hyperkinétiques, on est d'accord, parce que ça collait avec le modèle de l'époque, d'accord? Mais en fait, on va retrouver ces différents éléments qui sont présents. Et je suppose que ça va venir un petit peu compléter aussi la référence que Léonard vous met aussi de Sylvie Chocron, évidemment, sur ces aspects de donc les damages du cerveau, d'accord? Donc les damages minimum, ok? Et en fait, on va retrouver ces éléments-là. Et en fait, on voit que quand on remonte, plus on remonte, en fait, moins on est sur les États-Unis. D'accord? Donc, c'est intéressant de regarder ces éléments-là petit à petit, aussi cet historique à un moment donné. D'accord? Bien! Alors, hop! Continuons avec notre historique. Et les psys pour enfants ont ensuite dû s'accommoder avec cette drôle de création pour soigner leurs patients. Le docteur Landman, psychiatre, écrit en 2018 que la pharmaco-induction n'est pas choquante en soi, mais qu'ici il s'agit d'une sorte de drogue administrée à des enfants. Le méthylphénidate est en effet un stupéfiant dont le trafic est condamné par la loi. Ça, je suis désolé, mais ça fait un peu. Je suis entièrement d'accord avec le message. Mais quand on veut communiquer avec des parents, je pense quand même que ça fait un peu aggravant sur le sujet. Mais c'est un avis personnel sur la démarche. Or, ajoute Landman, quand un trouble mental est induit par une drogue. Là, c'est choquant par contre, parce qu'un trouble mental induit par une drogue, ça veut dire quand même que le méthylphénidate sera à la base de l'apparition du TDAH. Ça, c'est la terminologie. D'accord? J'espère que c'est pas ça qui voulait être dit qui est derrière, d'accord? Parce que la question, quand même, c'est plutôt le méthylphénidate. En fait, la question, c'est quand le méthylphénidate induit un trouble. En fait, la question, elle n'est pas sur le trouble en lui-même, d'accord? Et il y a des gens qui l'ont peut-être compris comme ça, ok? C'est-à-dire que quand on parle de le méthylphénidate, une drogue induit un trouble, ça veut dire ça reprendre le questionnement qui était derrière, qui est qu'on a créé le trouble avec l'apparition du méthylphénidate. Okay? Il ne faut pas le comprendre comme le méthylphénidate induit le trouble d'attention. Okay? Parce que là, par contre, s'il y a des gens qui ont compris ça, d'accord? Et je suis convaincu que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire dans cette démarche, mais je tiens à le préciser, c'est de dire que, okay, elle n'induit pas un trouble. Elle a été, si on part de l'argumentaire du TDAH, a été posé parce que on a trouvé la molécule, okay, ça veut dire qu'on induit des troubles, entre guillemets, historiquement, à partir du méthylphénidate. Il faut faire attention à ça. Okay? Donc ça, je tiens à préciser, parce que clairement, je pense qu'elle n'a pas voulu dire que le méthylphénidate induisait un trouble, évidemment, que du contraire, puisque tout l'argumentaire qui est derrière n'est pas du tout dans ce sens-là. Okay? Mais j'espère que les gens n'ont pas compris cet élément-là. Okay? Et ça, je pense que c'est important de bien l'avoir en tête. D'accord? Donc, il faut pas aller faire de raccourcis non plus, éventuellement, sur ce qui a été dit. Et donc, la question ici, c'est de bien avoir en tête que la médication n'induit pas le trouble. Okay? C'est juste parce que, historiquement, puisqu'elle part du principe que le TDAH a été posé sur l'historique d'apparition du méthylphénidate, forcément, on va avoir un lien entre les deux. Il a vocation à être diagnostiqué pour servir l'usage de cette drogue, au risque de créer une fausse épidémie. Et ajoute-t-il, c'est ce qui est arrivé très vite aux États-Unis avec des surdiagnostics et des surprescriptions. Ça, c'est vrai. Par contre, ça, on va en reparler juste après. Hein, d'accord? Donc, avec le surdiagnostic et avec les surprescriptions, on est tout à fait d'accord sur le sujet. Aux États-Unis. Le méthylphénidate servant de dopant, d'opium, de la population scolaire, facilement dispensé pour soulager les enseignants. Le résultat de cette politique de santé, c'est en effet qu'aujourd'hui, 11% des élèves américains de plus de 6 ans sont sous méthylphénidate. Et 80% de ces enfants sont des garçons, en particulier les plus jeunes de leur classe, mais aussi les plus pauvres. Il faut savoir qu'aux États-Unis, avoir un enfant TDA.
Alors, petite réflexion sur le sujet. Première chose, on partirait du principe que 11% des enfants de plus de 6 ans aux États-Unis sont sous méthylphénidate. D'accord? Ce qui est absolument faux. Ok? Là, je suis clair et net, d'accord, sur le sujet. Donc, hop, on va reprendre un petit peu des études hein, quand même sur le sujet. Donc, je ne vous parle pas de la question du surdiagnostic qui est clair et net, hein, d'accord, aux États-Unis. Ce n'est pas une question par rapport à ça. Ok? Donc, le surdiagnostic aux États-Unis, il est connu, puisqu'on sait que y a pas mal d'études qui, sur la prévalence, sont très claires sur presque 10% d'enfants avec un diagnostic de TDAH. Mais en fait, je pense que dans le message de dire 11% des enfants sont sous méthylphénidate, d'accord, la question qui se pose là, c'est l'erreur, à mon sens, entre la prévalence du trouble et la prévalence de prescription. Okay. Par exemple, ici, on va vous montrer effectivement que c'est clair qu'on va avoir des enfants qui sont entre 2 et 17 ans, vous avez 9,4% d'enfants, ce qui est énorme par rapport à la prévalence posée par le consensus. Hein. C'est quasiment le double. Donc on peut entendre qu'il y a un surdiagnostic. Okay. Par contre, c'est cette idée que 62% de ces enfants ont une médication. Ok ? Donc ça veut dire que, en gros, si on tape large, les deux tiers des 11%, des 10% ici ont une médication. En quoi c'est important de faire ça ? D'accord ? En quoi c'est important de se dire ça ? C'est-à-dire qu'on compte sur des populations qui sont énormes. Ok ? Et donc, c'est un petit peu pathologisant à l'extrême, encore une fois, c'est un extrémisme de dire il y a 11% des enfants, ça voudrait dire que tous les enfants qui ont reçu un diagnostic aux États-Unis sont sous méthylphénidate, ce qui n'est pas le cas en fait. D'accord ? L'idée ici, c'est de se dire que, par contre, c'est toujours un surdiagnostic, parce que 10% c'est vraiment abusé pour le coup, mais que 62% des enfants, c'est-à-dire 2 sur 3, présentent ce genre d'éléments. D'accord ? En gros, vous avez aussi d'autres études sur cet aspect-là, et elles sont claires sur le sujet, en fait, de se dire que, effectivement, aux États-Unis, il y a un surdiagnostic, d'accord ? Mais par contre, n'exagérons pas, ça ne veut pas dire qu'un enfant sur 10 aux États-Unis a du méthylphénidate. Par contre, c'est vrai qu'on est quand même à 1 sur 15. Faut être honnête sur le sujet, hein, d'accord ? Donc, juste faire attention. Pourquoi je vous présente ça, d'accord ? Parce qu'en fait, l'erreur va être reproduite dans le podcast juste après pour un autre élément. H est aussi une façon de toucher une allocation mensuelle de $700, soit 540 euros par mois, le SSI. Cette somme peut donc devenir le principal revenu de familles modestes. Les compagnies pharmaceutiques sont très généreuses avec leurs prescripteurs. Chercheurs, pédopsychiatres, journalistes, écoles, associations de parents TDAH... Les enfants se trouvent donc pris au cœur d'une vaste entreprise commerciale dans laquelle les conflits d'intérêts pullulent. Je vous donnerai à la fin du podcast des liens vers de nombreux articles scientifiques pointant également la façon dont ces intérêts financiers sont entrés en écho, d'une part avec la force du désir du grand public de croire en une pilule magique, quitte à souvent embellir ses effets et occulter les études les remettant en cause. Le problème, c'est que, par contre, dans le podcast, on n'a pas ces études vraiment qui sont posées. Donc, c'est un peu dérangeant. Où sont les études qui remettent entièrement en cause le méthylphénidate ? On les a pas. Ce qui m'a dérangé un tout petit peu, c'est le message très culpabilisant autour à la fois des médecins, des professionnels, des chercheurs, des associations. D'accord ? Je peux entendre qu'il y a des conflits d'intérêts. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande de nommer spécifiquement ces conflits d'intérêts et ainsi de suite. Par contre, ça commence à virer un petit peu sur la question théorie du complot mondial, quoi. D'accord ? C'est-à-dire, évidemment que les boîtes pharmaceutiques se font un pognon de monstre avec la médication. La question, elle ne se remet pas, hein, d'accord ? Mais ça fait un peu vraiment complot mondial et international sur la planète qui prescrit grandement ces aspects-là, d'accord ? Donc, c'est un peu aussi remettre, effectivement, je vois le message, la pilule magique pour avoir de l'argent. Je pense que c'est compliqué d'aller dire ça à certains parents aujourd'hui, d'accord ? Donc, attention, évidemment, encore une fois, à des arguments qui... Alors, encore une fois, l'idée, c'est que si je reprends le début, c'était la question, ça va être à charge, et ainsi de suite.
attention à pas rentrer dans l'exagération systématique qui n'aide pas grand monde au final. Et ça, c'est un peu le truc. C'est ça, Aurélie. Je trouve ça un peu abusé. C'est aller un petit pas trop loin dans la démarche. Je pense pas que c'était nécessaire d'aller si loin, alors qu'il y a une vraie réflexion autour du surdiagnostic aux États-Unis. D'accord? Et d'autre part, avec le manque politique de moyens pour maintenir les lieux de soins qualitatifs en psychiatrie aujourd'hui. Il est évident que distribuer des médicaments est moins coûteux que recruter des psychologues pour engager des psychothérapies. Ça, c'est totalement vrai. Quand on voit l'état de la psychiatrie aujourd'hui, je pense quand même que c'est important quand même de se dire que effectivement, il y a un vrai questionnement de fond sociétal qui est derrière, mais ça rejoint pas effectivement la question même du TDAH. D'accord? Là, on est sur un niveau au-dessus. En France, aujourd'hui, environ 5% des enfants sont sous méthylphénidate. Et voilà. Et là, fondamentalement, je sais pas d'où vient la donnée. Et ça me dérange. Deuxième élément qui m'a dérangé dans le podcast. 5% des enfants seraient sous méthylphénidate. Elle vient d'où cette donnée? Moi, si on me dit que 5% des enfants qui ont reçu un diagnostic de TDAH ont du méthylphénidate aujourd'hui, je le signe à deux mains. Hein, d'accord? Et là, ça me semblerait plus cohérent avec mon expérience clinique, qui n'est qu'une expérience. Mais dire qu'aujourd'hui, il y a 5% des enfants qui ont du méthylphénidate en France, je suis un peu surpris sur cette question. D'accord? Je sais pas dans quelle mesure on est là-dedans, mais je suis un peu surpris de cet élément-là. Alors, si par contre, bah, je vais voir parce que l'idée c'est qu'elle a fait un choix de prendre certains auteurs, d'accord? Bah ok, on a des auteurs, notamment ici, Ponoux, qui est un psychanalyste et qui a travaillé beaucoup sur la question, mais notamment, et qui est extrêmement intéressant. Il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes sur le sujet, notamment, et sur la réflexion qui est derrière le diagnostic, les prévalences, et ainsi de suite. Vraiment, il y a des choses au top dans ces articles-là, qui se questionnent, mais voilà. Et on retrouve plutôt que les prescriptions de méthylphénidate, d'accord, chez les enfants 3-17 ans, c'est 0,6 à 0,75% de la population pédiatrique en 2019. Donc, c'est divisé par 10. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 5% d'enfants sous méthylphénidate, ça veut dire 1 sur 20, on est plutôt plus proche d'1 sur 150 ou 1 sur 200. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est un deuxième élément. Est-ce que c'est effectivement une erreur? Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est une approximation de la question? Je sais pas, mais quand on se trompe d'un ratio de 10 pour des questions médicamenteuses, pour une question sur une critique d'un trouble, je trouve personnellement que c'est problématique. D'accord? Parce que, à mon avis, ben, encore une fois, c'est une confusion, c'est une erreur entre la prévalence du trouble, du TDAH dans la population, et la prévalence de la prescription de méthylphénidate. Là, pour moi, il y a une grande différence entre les deux. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que je n'ai pas les bonnes données, mais étant donné que ce sont des auteurs qu'elle cite à la fin du podcast, d'accord, je trouve que le début du podcast est un petit peu embêtant pour ça, même si, encore une fois, il a été décidé d'être fait dans ce sens. Sa prescription a augmenté de presque 60% au cours des 10 dernières années et ne cesse de croître. Le docteur. Ce qui est normal, hein. Plus vous augmentez le taux de diagnostic dans une population, plus vous faites des diagnostics, plus potentiellement le pourcentage va augmenter. Hein. D'accord? Globalement, ça c'est un lien avec nos connaissances et le développement des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas questionner. Hein. D'accord? Mais si je prends un truc, j'avais réfléchi à ça, mais si je fais un truc, un argumentaire par l'absurde, par exemple, avec l'évolution de la chimiothérapie, eh bien, en fait, on a des explosions effectivement de recours à la chimiothérapie aujourd'hui. D'accord? Et je vous dis pas ça au hasard, j'ai vraiment fait la recherche pour. C'est pas une blague. D'accord? Donc par exemple, globalement, en 2019, d'accord? Il y a une augmentation de 33,6%. D'accord? En 2020, par rapport à 2019, il y a plus 33,6% d'accès à la chimiothérapie chez les patients. Est-ce que ça en fait quelque chose d'horrible?
Ben non, en fait, ça dépend ce qu'on en fait. En fait, ici, dans l'argumentaire, ce qui est dérangeant, c'est de l'amener comme étant grave, cette augmentation. Cette augmentation pourrait être grave si elle induit des problèmes, si elle induit des difficultés, si elle engendre des trucs derrière, ok? Donc, c'est attention là-dessus, ok? Donc, attention sur ces éléments-là, ok? Donc, je reviendrai d'ailleurs sur les taux de prévalence et sur les prescriptions de méthylphénidate, et notamment avec des sources qui sont citées dans le podcast, et qui ont, encore une fois, je les lis pas de la même façon, mais c'est peut-être moi qui lis pas bien le message en question, mais je reviendrai dessus. D'accord? Vera, spécialiste français du TDAH, écrit dans un livre de 2019 intitulé Tous hyperactifs vraiment, que les critères diagnostiques de cette maladie sont encore bien trop vagues, qu'il s'agit, je cite, d'une catégorie un peu fourre-tout. Les critères officiels pour poser ce diagnostic sont les suivants: des enfants qui ont du mal à se concentrer, qui sont inattentifs, agités et impulsifs depuis 6 mois, à la maison comme à l'école. Mais ces enfants sont très nombreux et ces symptômes peuvent découler de nombreuses pathologies différentes. Et même, nous dit le docteur Vera, d'un simple manque de sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, hein. Donc moi je suis entièrement d'accord avec ça. Alors après, avec tout le respect que j'ai pour Louis Vera, c'est pas un scientifique, hein, c'est un clinicien, c'est un médecin. Donc forcément on va relativiser aussi dans ces éléments-là. Mais par contre, je suis entièrement d'accord sur le fait que les symptômes sont vraiment très larges, d'accord? Sont évidemment une cible facile pour faire rentrer n'importe quel enfant quasiment avec ces symptômes-là dans cette catégorie-là. Mais là, par contre, la question, c'est que ça remet pas en cause le trouble en lui-même. Ça remet en cause, effectivement, le diagnostic différentiel qu'on fait sur le terrain. Donc, la formation et ainsi de suite. Donc, évidemment, moi, je suis entièrement d'accord sur le fait que, clairement, les symptômes sont beaucoup trop larges et que ça nécessite une évaluation qui est précise. Et qu'évidemment, ça peut être la conséquence d'un problème de sommeil. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. D'accord? Encore une fois, pour moi, c'est pas une critique même du TDAH. Là, c'est plutôt une critique de notre capacité à l'évaluer correctement. Et là, bien sûr que je pense que on n'est pas les plus balèzes pour travailler ces éléments-là. Les abus de diagnostic et de prescription sont donc nombreux. Vera ajoute recevoir parfois des parents affolés disant qu'on leur a proposé de la Ritaline au bout de 10 minutes de consultation, sans parler à leur enfant sur la foi des résultats d'un simple test d'attention. Mais c'est une aberration sans nom, ajoute-t-il. Un test d'attention loupé ne veut absolument pas dire qu'un enfant souffre de TDAH, ça veut dire qu'il a du mal à se concentrer et cette nuance revêt une importance cruciale. Encore une fois, c'est le diagnostic différentiel. C'est le principe de l'analyse du diagnostic. C'est-à-dire que normalement, toute personne un peu formée dans la question n'aboutit pas au diagnostic de TDAH, de 1, sur les bases d'un résultat neuropsychologique, ça déjà c'est 1, deuxièmement, pas en 10 minutes de consultation, ben non, d'accord, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des abus aujourd'hui dans la population médicale et psychologique et autres? Bien sûr que oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, on parle beaucoup de surdiagnostic et d'erreurs de diagnostic, mais peut-être pas suffisamment non plus dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire des gamins qui n'ont pas été diagnostiqués à un moment donné. Donc, ça reviendra peut-être plus loin dans le podcast. Fin de citation. Le papa de l'un de mes patients de 12 ans s'est récemment entendu conseiller ceci. Vous devriez le mettre dès maintenant sous Ritaline, et si dans 15 jours il est toujours symptomatique, c'est que ça n'était pas un TDAH. Un autre de mes petits patients de 4 ans cette fois-ci avec un autisme sévère qui passe son temps à bouger pour tenter de border son corps envahi par sa sensorialité et par des angoisses majeures, a également obtenu une prescription de Ritaline de la part d'un médecin certainement sensible à l'épuisement de ses parents. Mais comment définir l'indéfinissable? Sans armature théorico-clinique sous-jacente, puisque, répétons-le, cette maladie est née de la cuisse d'une molécule, comment connaître le mal? Donc là, on est bien d'accord que ce n'est pas une critique du TDAH en lui-même, c'est une critique des professionnels. C'est important aussi ça, d'accord? C'est ça pour moi, ça reste quand même indispensable de comprendre et de distinguer les deux. On n'est pas dans la critique du trouble, hein, là pour le moment. On est dans la critique des professionnels qui font pas leur taf. Ben oui, ok, d'accord? Parce qu'on ne prescrit pas pour savoir si c'est un TDAH. Et on ne fait pas, on n'arrive pas à un diagnostic rapide parce qu'il y a une méthodologie d'évaluation, quoi. D'accord? Donc, a priori, pour moi, c'est un tout petit raccourci ici. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec le fait que ça arrive clairement dans la population, hein. D'accord? Et ce qui peut expliquer un certain surdiagnostic à un moment donné. Vidal semble un peu perdu, je le cite.
Paradoxalement, et sans que le mécanisme de son mode d'action soit connu, le méthylphénidate permet de réguler l'hyperactivité de certains enfants. Les neurosciences peinent à trouver une origine et une logique à cette maladie. Aucune confirmation de l'héritabilité d'un gène à l'origine du TDAH n'a été fermement démontrée à ce jour. Oui, c'est vrai. Sauf que là, dans la terminologie, il faut juste faire un tout petit parallèle. Ce qui m'a bloqué, c'est encore une confusion entre l'hérédité et l'héritabilité. Vous voyez? Ça, pour moi, c'est dérangeant, encore une fois. Évidemment qu'on n'a pas trouvé un gène explicatif du TDAH. Ben oui, parce que ce n'est pas une maladie héréditaire. D'accord? C'est important quand même de se poser la question sur ce principe que ce n'est pas une maladie héréditaire. L'héritabilité, c'est pas la même chose scientifiquement. Donc, quand même, évidemment qu'aujourd'hui, au niveau de notre connaissance, les chercheurs peinent à trouver l'origine exacte et parfaite du TDAH. D'accord? Donc, ben, derrière, je veux dire, c'est exactement la même chose dans son cadre de référence. C'est-à-dire que ils n'ont pas plus de réponses sur l'origine, d'accord, de l'hyperkinésie ou des difficultés attentionnelles. D'un point de vue scientifique, hein, j'entends, d'accord? Donc, la question, c'est quoi? C'est de se dire quand même que c'est bien d'aller dire aux gens, mais écoute, ils peinent à trouver la réponse, donc. Bah forcément, c'est à charge du truc. Mais ils peinent à trouver la réponse. Mais quand on peine à trouver, c'est parce qu'on commence quand même à chercher et qu'on continue à chercher. Ce qui est assez intéressant, d'accord, c'est de voir que les questions sur la génétique du TDAH, okay, ben en fait, elles se questionnent depuis 71. Donc on a des grosses études depuis 71. On a des revues un peu partout pour le coup, aux États-Unis, en Europe, en Scandinavie, en Australie, qui ont montré qu'il y a des gènes qui sont impliqués, une quantité de gènes, d'accord, qui, croisés et interagissant avec l'environnement, sont des facteurs de risque à l'apparition de ce qu'on appelle maintenant, d'accord, le TDAH. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'exclusion de l'environnement, mais il n'y a pas non plus l'idée qu'on est dans du TDAH héréditaire pur et dur. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en santé mentale de manière générale, bah, ce qui est posé aujourd'hui, en tout cas comme hypothèse forte, c'est le modèle épigénétique, le croisement entre certains gènes qui se cumulent comme facteurs de risque, croisés avec de l'environnement, et qui peut poser des problèmes à un moment donné. Ce n'est pas de l'hérédité. L'héritabilité, ça ne correspond pas à la chance de transmission d'un parent vers l'enfant. C'est important, ça. D'accord? C'est de se dire que quand on fait des études sur des familles complètes, on s'aperçoit que ces familles ont potentiellement plus de chances d'avoir entre les générations le même trouble que dans d'autres. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans le TSA, on le retrouve pour tous les troubles d'apprentissage, on le retrouve pour la dépression, on le retrouve pour l'anxiété, on le retrouve pour la bipolarité, sans que ça soit spécialement toujours remis en question. D'accord? Donc, l'idée, c'est que quand on parle d'héritabilité du TDAH, on n'est pas en train de dire que c'est que du neurone et de la génétique, on n'est pas en train de dire que c'est de l'environnemental. L'héritabilité ne se pose pas sur la quantité, d'accord, d'implication génétique ou d'implication environnementale. Elle ne se pose pas là-dessus. Et en fait, j'ai l'impression ici, dans le podcast, qu'on a un manque de compréhension de cet aspect-là. Donc, moi, ça m'a un peu encore une fois un petit peu bloqué par rapport à ces éléments-là, alors qu'il y a des éléments qui sont ultra intéressants sur les erreurs de diagnostic avant. Vous voyez? Et en fait, le problème, c'est que je trouve que ça n'aide pas spécifiquement à la compréhension fine et à la charge, encore une fois, du TDAH. L'idée, en plus, c'est qu'on estime quand même que plus l'évaluation est complète, plus on retrouve cette héritabilité. Ce qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que comme on est dans des phases de surdiagnostic, avec des évaluations qui sont faites de manière extrêmement mal, faut être honnête sur le sujet, ben en fait, on ne devrait pas retrouver cette irritabilité aussi forte dans les familles. Et pourtant, ben plus l'évaluation est complète, d'accord, avec les entretiens, avec les questionnaires, avec une évaluation du système et des systèmes dans lesquels ça se produit, et ainsi de suite, ben en fait, on trouve qu'on a une grosse irritabilité dans les familles, de manière générale. Bon, après, là, pour le coup, on a quand même des études qui montrent que
Évidemment, il y a de la génétique derrière, c'est-à-dire qu'on retrouve des variations génétiques qui sont très fortes. Je suppose que vous avez peut-être vu, d'ailleurs sur la page, j'ai fait un post là-dessus, il y a une étude qui est sortie là, début de ce mois avec cette idée de se positionner sur, il y a 27 gènes qui semblent être quand même vachement impliqués dans TDAH comme facteur de risque et pas comme cause-conséquence, d'accord? Ça c'est important, c'est un facteur de risque. Donc l'idée c'est qu'on est face à des variations, on est dans du polygénique, on est dans un score polygénique et avec cette idée d'interaction avec l'environnement. Donc évidemment qu'on peine à ça. Pourquoi? Parce que ce sont des études qui sont récentes, c'est un domaine de recherche qui est récent. Et donc forcément, on patauge un peu encore. Mais au moins, la question qui est là, c'est quoi? C'est de se dire que on fait les études pour y arriver. On n'est pas juste là à se poser en disant ouais, non, en fait, vous n'arrivez pas à le montrer, donc ça n'existe pas. D'accord? Comme on peut l'entendre d'autres personnes. Okay? Parce que c'est pas ce que Caroline Goldman dit, hein, justement. Mais c'est pas parce qu'on peine à le trouver que forcément ça n'existe pas. D'accord? Donc il faut modérer un petit peu les choses. Et ça, pour moi, c'est important. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en fait, cette modélisation et ces gènes sont impliqués dans plein de pathologies en soi différentes. On le retrouve d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a des gènes d'ailleurs qui sont impliqués dans différents troubles neurodéveloppementaux qui se recouvrent. C'est pour ça que la psychiatrie doit évoluer également. Mais en soi, je trouve que l'argumentaire qui est là derrière, il est un petit peu difficile, quoi. C'est un petit peu, c'est ah, mais vous n'arrivez pas à trouver, donc. Pour moi, encore une fois, c'est un raccourci. C'est un raccourci, tout simplement. Vera, qui semble méconnaître la notion d'agitation maniaque comme lutte antidépressive. Donc on est d'un côté, c'est super ce que Vera dit, mais en fait, il ne connaît pas ce que je vais vous raconter. Encore une fois, pour moi, ça fait très critique professionnelle. Hein. C'est un petit peu dur par moment. J'en parlerai un peu plus loin, tente quant à lui de justifier l'incongruité de calmer un enfant agité en lui donnant non pas des calmants, ce qui semblerait logique, mais des amphétamines censées agiter plus encore. Il fait donc l'hypothèse toute personnelle que la Ritaline stimule le cerveau des enfants et qu'ainsi ils auraient moins besoin de bouger pour maintenir leur cerveau en éveil. Autrement dit, l'agitation psychique des enfants avec troubles attentionnels serait une façon de rester plus éveillé. Puis, occultant la notion pourtant bien connue d'excitation psychique, motrice, relationnelle, cognitive, car l'excitation a l'art de se glisser partout, il formule une autre hypothèse chargée d'articuler cette fois-ci impulsivité et difficulté de concentration. Je cite: J'ai plutôt le sentiment que l'impulsivité chez l'enfant TDAH est un moyen de compenser la difficulté à rester concentré longtemps. L'enfant, sachant inconsciemment qu'il ne peut pas rester appliqué pendant des périodes très longues, travaillerait intuitivement plus vite. L'enfant serait donc impulsif car il aurait l'intuition de sa fatigabilité à long terme. Mais cette idée sous-entend que toutes les impulsions des enfants TDAH auraient une portée constructive, ce que la littérature scientifique est bien loin d'observer, leur impulsivité apparaissant surtout encombrante. Ouais, je trouve ça un peu raccourci encore une fois, c'est de dire ah ben voilà, ça voudrait dire que là on reprend des termes qui sont un peu encore une fois un peu raccourcis dans cette question-là. Vera semble pourtant prêt à se rapprocher de la psychopathologie lorsqu'il livre ce qui pour nous psychanalystes est une évidence, je cite: Au fil de mes années de pratique, j'ai acquis la conviction que la très grande majorité des TDAH sont causés par d'autres troubles. Ça, vous voyez, encore une fois, en termes d'argumentation, ça me dérange. Encore une fois, je me permets de le faire cet aspect-là parce qu'au départ du podcast, on est dans une démarche qui se veut assise scientifiquement, d'accord? Donc avec une vraie démarche scientifique, et d'amener un argument d'autorité en disant ce qu'on sait en psychanalyse depuis autant de temps. Mais oui, ok, mais si vous le savez d'où? C'est ça en fait le truc. C'est attention à pas rester sur la croyance, parce que là, pour moi, c'est argument d'autorité ou biais cognitif ou les deux. Et ça, c'est un petit peu bloquant. Moi, je peux entendre qu'on me dise, mais oui, on le sait depuis des années, voilà. Ok, j'admets, il n'y a pas de problème sur le sujet. Moi, je suis prêt à remettre en question, je suis même prêt à dire que, à un moment donné, si on me le montre, le TDAH, ça se questionne, quoi. J'ai aucun problème avec ça et je suis relativement critique sur cette question du TDAH. Donc, ma question, c'est de se dire, par contre, l'argument d'autorité qui est derrière, de dire, mais en fait, on le sait depuis des années, nous, hein, enfin, je veux dire, nous, on sait. Voilà. Ouais. Un petit peu embêtant, hein. Qui fait tout à fait écho avec la façon dont la psychopathologie psychanalytique envisage elle aussi les symptômes du TDAH.
Sur le terrain du soin, les approches neurocognitives et comportementales ne font pas forcément de lien entre tous les symptômes d'un enfant et n'y donnent pas non plus de sens. Les critères du DSM sont isolés et tous les autres symptômes sont fréquemment appelés comorbidités. Ainsi, par exemple, si une adolescente est agitée, peu concentrée, présente des troubles attentionnels et une anorexie mentale, elle sera diagnostiquée TDAH avec comorbidité TCA, c'est-à-dire trouble du comportement alimentaire. Si un enfant est impulsif, agité, peu concentré et opposant à ses parents, il pourra lui aussi obtenir deux sigles accolés, TDAH et TOP, c'est-à-dire trouble oppositionnel. Pour peu qu'un trouble de type 10 soit accolé, il obtiendra trois sigles du DSM. Mais ces symptômes ne feront pas sens ensemble et ne seront pas interrogés dans leur origine commune. Là, je suis entièrement d'accord sur l'idée des multiples diagnostics, par contre. Peut-être pas, j'aurais pas forcément formulé comme ça, mais c'est vrai qu'on a une tendance à avoir une succession quand même de diagnostics. Vous voyez, les multidis, par exemple, moi c'est un truc, je les pige pas, quoi. C'est une succession de diagnostics d'étiquetage, plutôt que d'avoir une compréhension globale du patient. Ça, pour moi, par contre, encore une fois, avec une vision qui est peut-être pas la même, en tout cas le même référentiel, mais par contre, effectivement, il y a quand même une problématique là-dessus, quoi. D'accord? Donc, c'est un peu cet aspect-là. Donc, oui, les... Léonard, je suis entièrement d'accord, en neuropsychologie, il arrive très fréquemment qu'un enfant soit diagnostiqué de TDA alors que ça vient d'autre chose. C'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Donc, on est tout à fait d'accord sur le sujet. Moi, je ne remets pas ça en question. Hein. Ça n'a rien à voir potentiellement. Hein. Je suis entièrement. Mais ce n'est pas ici, forcément, ce qui sort de ce contexte. Moi, je suis entièrement d'accord, encore une fois, sur les erreurs de diagnostic. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça, hein, sur le diagnostic différentiel. Mais ça vient plus de la formation, à mon avis, que de la critique même du trouble. Encore une fois, le podcast, il s'appelle critique du TDAH, hein, pas critique des professionnels qui posent le TDAH, hein, ou critique de la formation qui nous mène à poser ça. Hein. C'est important, quand même. Hein. Oui, la succession des étiquettes, pour moi, c'est vraiment un absolu très compliqué, parce que c'est difficile à un moment donné d'isoler les troubles les uns par rapport aux autres, même s'ils apparaissent dans une temporalité, ce qu'on va essayer de chercher, mais les isoler et avoir des prises en charge qui sont individualisantes pour chaque trouble, aujourd'hui on sait que ça marche pas très bien en fait. D'accord ? Donc effectivement, je la rejoins moi sur le côté des multiples étiquettes qui ont pas de sens en plus pour la majorité des parents. C'est clair et net, pour moi c'est sûr et certain que là on est dans une partie qui est ultra intéressante pour le coup, de ces erreurs à un moment donné et... De ces problématiques qui sont derrière aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit vraiment profitable ni pour les parents, ni pour les patients, ni pour l'école, ni pour qui que ce soit, d'avoir des diagnostics à rallonge, d'avoir TDAH, troubles d'opposition, et ainsi de suite. Moi, c'est ça qui me perturbe un petit peu dans cet aspect-là aujourd'hui dans le système. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas la question du diagnostic qui est là. C'est la question de la formation professionnelle. Pour moi, on est plus dans ces éléments-là. Non, l'approche neurocognitive se préoccupe de l'ici et maintenant en agissant directement sur les symptômes. Ce qui est également, si l'on y pense, la logique de la médecine somatique. Que vous ayez une verrue plantaire ou mal à la gorge, il existe une molécule pour apaiser chaque affection et personne n'a besoin de se poser la question du sens à donner aux symptômes physiques pour le guérir. Mais il est logique que la molécule, première véritable initiatrice de cette maladie, ne s'encombre pas de ses liens. Le méthylphénidate est donc le principal traitement de cette maladie par les neurosciences, mais il constitue néanmoins un remède non curatif. De l'avis unanime des spécialistes, il ne soigne rien. Le docteur Val, auteur du Que sais-je de 2019 sur le TDAH, écrit, je cite, que la ritaline... Encore une fois, j'ai énormément de respect pour Gabriel Val et son travail. Encore une fois, ce n'est pas une donnée scientifique, hein. Ce ne sont pas des chercheurs. On est face à la clinique, encore une fois. Je fais rapport au démarrage du podcast. Hein. D'accord ? Donc, on a des sources qui sont posées d'un point de vue clinique qui sont ultra intéressantes, mais attention à la confusion des rôles des gens dans cette approche. L'inattention est un suspensif, pas un curatif. Elle suspend les symptômes de l'inattention, mais sans améliorer les performances scolaires, ou très légèrement en mathématiques, ni à court terme, ni à long terme. Il faut aussi avoir à l'esprit que le TDAH est aujourd'hui reconnu comme une maladie incurable. Le docteur Val affirme qu'on ne guérit pas du TDAH. Le docteur Vera ajoute quant à lui qu'il n'est pas possible de guérir d'une fatigabilité attentionnelle. Le consensus international 2020 du TDAH va également dans ce sens.
tous les traitements non médicamenteux répertoriés font état d'une inefficacité globale de l'ensemble des thérapies sur les symptômes des enfants. Thérapie comportementale et cognitive, remédiation cognitive et neurofeedback, méditation, entraînement aux compétences sociales et programme de formation des parents d'enfants d'âge préscolaire. Je vous conseille d'aller découvrir ces conclusions en tapant dans votre barre de recherche sur Internet les mots « déclaration de consensus international de la Fédération mondiale du TDAH ». On ne peut que noter et regretter que les thérapies analytiques et systémiques ne soient ni évaluées ni même évoquées dans ces études. Eh bien, allons regarder. Puisqu'on a une affirmation que les approches non médicamenteuses dans le consensus n'ont aucun effet sur les symptômes de TDAH, qu'on nous demande d'aller voir ces recommandations, ben allons les voir. Parce que là, par contre, je pense qu'on a dépassé le cadre de l'erreur. Hein. D'accord ? Si je vous partage, donc, on a les médicaments, les traitements, et donc on a une partie traitement non médicamenteux. D'accord ? Donc là, pour le coup, j'invente rien, hein, c'est le consensus international. Les traitements comportementaux du TDAH sont de nature diverse, ont des contenus, des objectifs différents selon le patient. Ok, on avance. Une méta-analyse a montré que les programmes de formation des parents pour l'enfant d'âge préscolaire étaient associés à une réduction modérée des symptômes du TDAH par rapport à rapporté par les parents et des problèmes de conduite, mais aucun résultat significatif pour les symptômes du TDAH évalués indépendamment des troubles du comportement associés. Ok. Une méta-analyse de 19 études sur les thérapies cognitivo-comportementales chez les adultes avec TDAH a inclus 896 participants et a trouvé des associations avec des améliorations modérées pour les symptômes auto-évalués du TDAH et pour fonctionnement auto-évalué. Donc, les améliorations sont faibles, évidemment, et dans d'autres méta-analyses, ça a conduit à des améliorations importantes et modérées. Donc déjà, il y a des erreurs dans la prononciation. C'est-à-dire que le consensus ne dit pas que rien ne fonctionne. Ça, quand même, c'est important. Ok ? Je pense quand même que faut faire gaffe à ce qu'on dit. Une méta-analyse a montré que l'entraînement cognitif apportait des améliorations faibles à modérer des fonctions exécutives. Je suis pas sûr qu'on ait lu le même consensus. Hein. Les thérapies sur la méditation, par contre, c'est vrai, réduction modérée des symptômes. Mais la moitié des études n'ont pas utilisé des contrôles actifs. Donc en fait, ça montre des résultats, mais par contre, on sait qu'il va falloir reproduire les choses, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui font qu'il n'y a pas assez de preuves aujourd'hui pour ces fonctionnements, ces approches-là. Je trouve quand même qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Hein. Là, il y a vraiment une... Enfin, là, on n'est pas dans la mauvaise interprétation. C'est un problème d'aller à l'opposé de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, j'ai lu « Allez voir le consensus », ok, je vais le voir, et pourtant, ce qui est écrit dans le consensus ne correspond pas à ce que vous venez de me dire. Qu'est-ce qu'on fait, alors, dans ces cadres-là ? Parce que, moi, je suis d'accord sur le sujet, mais enfin, voilà... C'est quand même très problématique, quand même, à un moment donné. L'argument qui est... je suis d'accord avec elle sur le principe de dire que c'est très dommage de ne pas avoir d'études ni systémiques, ni analytiques sur le sujet. Il y a deux raisons, sans doute, à ça. Un, c'est que, malheureusement, le consensus, il est basé sur un truc très particulier qui est que c'est une revue de méta-analyse. D'accord ? Ils ont pris que des méta-analyses. Donc, évidemment, ce qui reprend... la question de milliers d'études, quand même. Parce que quand vous faites une méta-analyse, vous avez en moyenne minimum 5 à 10 études dans le papier. Donc, l'idée, quand même, c'est que on est sur 208 méta-analyses qui tournent autour du TDAH, donc on est à plus d'un millier d'études. Mais si on prend méta-analyse, est-ce qu'il existe aujourd'hui suffisamment d'études en analytique ou en systémique qui nous permettraient d'avoir des données sur les approches thérapeutiques comme celle-là en format méta-analyse, qui rentrerait dans le consensus. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. On peut regretter, et soit c'est une erreur du panel de professionnels qui a abordé le consensus mondial, d'accord ? Deux, peut-être qu'il n'y a pas assez de données, et que c'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas. Donc, le consensus ne dit pas « attention, ne faites pas ça », il vous dit « il n'y a pas les données, on n'a rien mis qui, à un moment donné... » va vous chercher. Là, on est sur... C'est, encore une fois, là, on n'est pas sur de l'interprétatif, hein, d'accord ? Là, on est sur un truc, je l'ai lu, allez le voir, allez le lire, ben oui, je vais le lire et je trouve pas la même chose.
Il y a quand même des approximations. Mais là, pour moi, ce n'est pas de l'approximation, c'est un choix. Hein. C'est délibéré d'avoir fait ce choix-là. D'accord? Là, je pense quand même que c'est plus qu'embêtant. Faute de moyens curatifs réellement efficaces, les neurosciences envisagent donc, en complément du traitement par méthylphénidate, d'acclimater l'environnement aux symptômes de ces enfants afin d'amoindrir leur impact sur leur confort de vie. Ils mettent donc en place d'abord des ajustements scolaires, par exemple des aides techniques via un projet scolaire personnalisé impliquant ses enseignants, le recours à une AESH, c'est-à-dire à un adulte qui l'aide en classe, lui-même conditionné par la réalisation d'un dossier auprès de la MDPH, Maison du Handicap, etc. Mais aussi des programmes d'habileté parentale, non pas pour guérir l'enfant du TDAH, puisqu'une étude avec méta-analyse a également démontré que ces programmes n'offraient pas non plus de résultats significatifs sur leurs symptômes, mais pour soutenir les parents face à la maladie de leur enfant. Ces programmes de type Barclay consistent en des conseils éducatifs très généralistes rappelant le béaba de l'éducation d'un enfant. Par exemple, il faut l'encourager, le féliciter, mettre en place un système de récompense par des gommettes et de sanctions non violentes, passer des temps privilégiés avec lui régulièrement, etc. Tout y est très simple mais assez long et fastidieux car il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Les promoteurs de ce programme d'entraînement justifient son usage par le fait que le TDAH détériore les relations parents-enfants. Cette phrase sous-entendant que la maladie frappe les enfants de façon hasardeuse, sans justification par l'atmosphère familiale à l'époque de son arrivée. Donc ça, s'il y a des gens qui connaissent un peu Barclay et qui ont travaillé notamment dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, je veux dire, à aucun moment de 1, le Barclay est fait pour les enfants qui ont un TDAH, mais plutôt pour les comportements perturbateurs derrière, et à aucun moment on fait totalement abstraction de l'environnement familial, puisque l'objectif est quand même d'apporter des réflexions autour justement des incohérences parentales, d'apporter quand même des éléments sur le fait que on a des parents qui vont pas forcément bien et qui ont des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées au fonctionnement de leur enfant, qu'ils ont un sentiment de compétence qui est en train de baisser, qui sont stressés, qui peuvent avoir des réactions qui sont pas du tout adaptées. Notamment, on a une approche sur la question notamment de la montée en escalade et de l'explosion et des sanctions qui sont posées par les parents. Donc, non, ça ne fait pas abstraction, c'est pas tombé comme ça et donc, boum, derrière, on a amené les choses. Ça fait pas abstraction de cet élément-là. Ça fait partie du système. L'approche Barclay, même si elle est d'un courant comportementaliste, elle est extrêmement systémique, en fait. C'est... Encore une fois, je pense que là, par contre, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas mis en place de Barclay ou qui s'est pas vraiment, qui s'est pas plongé dans la littérature du programme Barclay et des programmes d'entraînement aux habiletés parentales basés sur ces approches. Parce que c'est des approches qui sont beaucoup plus anciennes, évidemment, que Barclay. Il l'a potentialisé dans le TDAH, mais là, on a un manque d'informations théoriques, encore une fois, qui me dérange. Pourtant, ils ajoutent que les pratiques éducatives semblent jouer un rôle déterminant dans le développement et le maintien des comportements inadaptés des enfants à court, moyen et long terme. Cette phrase refait donc intervenir l'implication des relations parentales dans le destin de la maladie. Cette façon de ne pas faire aboutir les liens déductifs m'apparaît encore une fois comme l'aveu de difficulté à reconnaître que ce sont les propositions relationnelles parentales qui forgent un bébé, et non l'inverse. Je n'ai pas... En fait, là, on est dans une opposition. Pourquoi pas les deux ? Enfin, moi, ma question de la cause, de la conséquence, alors qu'on n'y est jamais, enfin, je veux dire, et qu'on ne sait pas, pourquoi pas les deux? Évidemment que la place du parent est indispensable, mais derrière, enfin, pourquoi c'est si difficile de penser qu'il y a peut-être d'autres choses en plus que simplement cette relation parentale? Ça n'exclut pas la relation parentale et la place du parent, mais c'est un élément qui est, encore une fois, si on a une approche analytique et systémique, si on est systémicien, a priori, on ne pense pas que le système que familial, on va plus loin, d'accord? Je pense quand même que on est sur quelque chose de plus large, d'accord? Développer ici l'état des lieux des recherches neuroscientifiques concernant la description du TDAH, je les sais très riches et sophistiqués, mais ce qui m'importe relève uniquement de leur dégagement vers d'éventuelles voies thérapeutiques, or elles sont très faibles. Le professeur Thomas Insel, directeur américain de l'Institut national de la santé mentale, le NIMH, depuis 2002, a révélé en 2013 avoir abandonné le DSM comme référentiel. Dans son dernier livre, il partage son avis sur la psychiatrie scientifique, je le cite.
J'ai lutté contre la maladie mentale en tant que parent scientifique et médecin pendant près d'un demi-siècle. Psychiatre de formation et chercheur en neurosciences, j'ai passé les 4 dernières décennies à assister à des percées dans le domaine de la recherche sur le fonctionnement du cerveau, tant dans la santé que dans la maladie. J'ai fini par devenir pendant plus de 10 ans le psychiatre de la nation. J'aurais dû être en mesure de nous aider à infléchir les courbes de la mort et de l'invalidité. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai mal compris le problème. Ou peut-être est-il plus exact de dire que le problème que je résolvais en soutenant de brillants scientifiques et des cliniciens dévoués n'était pas le problème auquel étaient confrontés près de 15 millions d'Américains atteints de maladies mentales. Interrogé par le New York Times, il ajoute « J'ai dépensé 20 milliards, on a trouvé des petites choses, mais en fait cela ne sert à rien pour les patients, et donc il faut faire complètement différemment. » Il dit s'en être rendu compte le jour où des parents de patients schizophrènes sont venus le voir et lui ont dit « Vos neurosciences, c'est très bien, mais vous savez, la maison brûle et vous êtes en train de réfléchir à la couleur de la peinture. Ça n'a aucun intérêt. » Il s'est dit qu'ils avaient raison. Le professeur Falissard, mathématicien, psychiatre, professeur de psychologie et directeur de recherche à l'INSERM, évoque également le coming out de l'ancien rédacteur en chef de la revue américaine de pédopsychiatrie, qui a récemment déclaré qu'il y avait trop de neurosciences dans sa revue et qu'il fallait faire des sciences humaines et sociales, avec des études qualitatives, pour vraiment savoir ce qui importait pour les patients et déterminer ce qui fait que les soins marchent. Ce qui est tout à fait juste, hein, d'accord ? C'est-à-dire que la seule chose que ces gens expliquent, c'est qu'on est passé sur un autre extrême. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une question où on essaye de tout expliquer par les neurosciences. Mais évidemment que le contexte dans lequel les neurosciences s'impliquent est importante, d'accord ? La problématique qui est ici, c'est un argument de généralisation. C'est-à-dire que le psychiatre en question se met loin du DSM, il ne se met pas loin du TDAH, il ne remet pas en question les pathologies, il remet en question le fait que le DSM en lui-même ne répond pas aux questions actuelles de santé mentale à lui seul. C'est vrai, mais ça, je veux dire, vous pouvez prendre le DSM, les 40 premières pages vous expliquent que ça ne répond pas parfaitement, d'accord, aux questions de la santé mentale aujourd'hui, et que c'est une proposition, hein. C'est pas un truc absolu. Donc, se plonger dedans intégralement et de dire ça, c'est la Bible, c'est la vérité, c'est la même erreur, hein, d'accord. Donc, évidemment que ces gens vont vous dire que ce n'est pas la bonne façon de faire, on voit les limites aujourd'hui. Bon, d'accord, on n'a pas forcément, on a d'autres propositions qui sont en cours, d'accord. Donc, on pense de plus en plus à un aspect de psychiatrie dimensionnelle, d'accord, qui intégrerait d'ailleurs beaucoup plus les aspects environnementaux, mais toujours en gardant les neurosciences. On a un penchant sur la littérature aujourd'hui scientifique qui est extrêmement, ben oui, effectivement, neurosciences, c'est-à-dire qu'on sait que les neurosciences, c'est toujours la même chose. On a même des biais de publication qui montrent que si vous mettez une IRM, une image IRM dans un papier, par rapport au même papier, mais sans l'image IRM, eh ben en fait, vous avez moins de chances d'être accepté, ce qui est un biais, ok ? Mais pour moi, c'est un extrême, en fait. C'est un autre extrême, d'accord ? Donc, moi, c'est très, 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 très important d'aller regarder ces notions-là, d'accord ? Donc, pour moi, je me dis, est-ce qu'on peut quand même éviter de rentrer dans les clichés de tous nos neurosciences, c'est horrible, d'accord ? Et c'est la même chose, et je suis extrêmement critique sur cette notion-là, c'est de dire, mais en fait, pourquoi ne penser que neurosciences aujourd'hui ? Pour moi, ça n'a pas vraiment non plus de sens. Donc, la question, c'est de trouver l'ajustement, et ça ne sert à rien de tirer non-stop des deux côtés, et d'aller chercher que les deux interventions, parce qu'il n'y en a pas que deux, c'est pas vrai ce que je dis là, deux interventions qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de démontrer. Ça serait bien d'ouvrir la porte et de dire « Ok, les neurosciences, ben, au final, ça peut apporter certains résultats, mais par contre, ça n'explique pas tout. » Ben non, je suis entièrement d'accord avec ça, et je suis entièrement d'accord aussi sur le fait que ben, les approches en psychopathologie analytique n'expliquent pas tout non plus. Et donc ça, c'est important de pouvoir un peu se positionner là-dessus. Ça sert à rien d'opposer les gens, en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Et ça, c'est quand même très difficile aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, pour publier dans une grande revue de psychiatrie internationale, il faut utiliser le DSM comme référentiel théorique. Que nous y consentions ou non, nous sommes donc tous tenus, psychologues, psychiatres et usagers, par l'intervention des laboratoires pharmaceutiques américains dans le soin. Bon, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un autre référentiel. Hein. Il y a d'autres référentiels disponibles, vous pouvez utiliser la CIM, qui marche très très bien, d'accord. Ce n'est pas les laboratoires pharmaceutiques qui créent le DSM, d'accord.
même si on sait qu'il y a une implication, d'accord, mais quand vous voyez la liste des intervenants, ce sont des médecins et énormément de psychologues, hein. Il y a énormément de psychologues aux États-Unis à la base du DSM, ce qui n'est pas le cas de la traduction française. La traduction française n'est faite que par des médecins, par contre. La question, elle peut se poser aussi là-dessus, hein. D'accord. Donc, la CIM, c'est un exemple. Il faut savoir qu'il y a d'autres classifications qui existent. Et évidemment que vous pouvez aller à la classification française, hein, des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent. Hein. Donc, classification CFTMEA, d'accord, qui existe, c'est une classification française. Il y a des revues qui vont être très neurosciences, qui ne vont pas accepter ces éléments-là. Mais vous pouvez publier à partir de votre référentiel, à partir du moment où vous l'argumentez. Hein. D'accord. Donc, c'est faux de dire qu'on doit publier uniquement avec le DSM. Non, pas vrai. Enfin, après, la question, c'est peut-être que Caroline Goldman, ici, ce qu'elle présente, c'est de dire, bah, écoutez, moi, j'ai essayé de publier dans différentes revues internationales de haut niveau en psychiatrie et j'ai été refusé parce que je n'utilisais pas le DSM. Ça serait une logique qui s'entendrait, d'accord? Par contre, c'est peut-être encore... C'est autre chose, peut-être. Si l'objectif de l'approche neurocognitive est d'amoindrir l'impact des symptômes sur la vie de l'enfant et de sa famille, nous allons maintenant voir que la psychopathologie psychanalytique suit un tout autre chemin, aspirant à comprendre l'origine du trouble et à soigner de façon ciblée le soubassement conflictuel de ces symptômes. Pour nous, psy-cliniciens d'orientation analytique, donc vous l'aurez bien compris, le TDAH existe, mais dans des proportions infiniment moindres à ce qui est exposé aujourd'hui dans le paysage de la pédopsychiatrie. Nous considérons que la souffrance psychique n'obéit généralement pas du tout aux mêmes lois qu'une souffrance somatique et ne suit pas la même logique qu'un protocole de soins médicaux pour réparer une douleur corporelle. Nous regrettons que les protocoles et ces solutions du DSM rendent des médicaments nécessaires lorsque parfois, la plupart du temps, nous pourrions soigner les maux de l'enfant sans médicaments. Or, je pense inutile de vous infliger un topo sur les conséquences de vivre pendant toute son enfance et son adolescence avec des amphétamines au quotidien. Ça n'est évidemment pas anodin. Les effets indésirables sont neurologiques, cardiovasculaires, cérébrovasculaires et occasionnent des stagnations de la courbe de croissance chez les enfants qui en prennent longtemps. Alors là aussi, encore une fois, on est plutôt dans un argument pour faire peur aux gens, d'accord ? Si on reprend encore une fois le fameux consensus international dont Caroline Goldman parle, justement dans son approche, ce qui a du sens, hein. On se passe baser sur des données un peu de méta-analyse, en gros, c'est-à-dire que... Si on regarde, tac. Donc, effectivement, il faut savoir qu'il y a des effets secondaires. C'est une réalité. Et personne ne s'en est jamais caché sur le sujet. D'accord ? On a un grand nombre quand même d'études sur le sujet qui montrent qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave au sens médical du terme. J'insiste. D'accord. Donc, moi, ce que je veux, c'est insister sur l'aspect grave au terme médical du terme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave pour les patients ni pour les parents, et ainsi de suite. D'accord. Pour moi, c'est important de pouvoir se positionner là-dessus. Il n'y a pas d'effet grave, d'accord, là-dessus. Les effets les plus fréquents sont la réduction du sommeil. C'est un fait, d'accord. Ça retarde le début du sommeil, ça diminue l'efficacité du sommeil. C'est vrai. Ils ne sont jamais cachés. Il y a une méta-analyse qui montre effectivement qu'il y a des douleurs abdominales potentielles. Il y a 3 fois plus susceptible de connaître des diminutions d'appétit et du poids. Ok, c'est vrai aussi, d'accord. Les enfants traités par stimulants peuvent présenter des retards, pas des stagnations de croissance, hein. Des retards de croissance, d'accord, dans la prise de taille de 2 cm en moyenne. D'accord. Encore une fois, c'est la question de se dire 2 cm, est-ce que c'est un effet grave ou pas? Ça peut l'être selon la personne, ce n'est pas un problème. D'accord. Ces retards s'atténuent parfois avec le temps, pas toujours, encore une fois, donc on n'est pas en train de dire que ce n'est pas le cas. D'accord. Et s'inverse souvent lorsque le traitement est arrêté. Moi, je me dis effectivement là-dessus. Alors après, par contre, ça, à la limite, je dis, ben, ok, c'est vrai, il y a des aspects sur le poids, il y a des aspects sur le sommeil, et effectivement, sur la croissance, ça joue. D'accord. Après, chacun va décider si c'est grave ou pas 2 cm en moyenne. Ça peut être 4. Hein, d'accord. Soyons honnêtes sur le sujet. D'accord.
Par contre, ça me dérange sur l'aspect cardiovasculaire, encore. Ça, par contre, c'est un peu dérangeant. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'études sur le sujet, des méta-analyses complètes sur le sujet. Alors, on peut considérer que toutes ces méta-analyses sont fausses, que c'est un complot pour des labos pharmaceutiques pour vendre le méthylphénidate, mais il n'y a pas de risque de décès prématuré, il n'y a aucun événement cardiaque, aucun accident vasculaire cérébral qui est en lien avec le méthylphénidate. D'accord ? Et ça, quand même, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un accident vasculaire cérébral, que vous ne pouvez pas avoir un événement cardiaque, ça veut dire qu'on ne peut pas le lier au méthylphénidate. La différence, elle est là, hein, d'accord ? Il n'y a pas d'augmentation de malformation cardiaque, il n'y a pas d'augmentation d'événements psychotiques, et ainsi de suite. Et ça, moi, encore une fois, c'est être dans l'argument qui fait peur, ça me dérange. Soit on a les études et on fait un travail qui est de dire, ben, écoutez, encore une fois, hein, basé scientifiquement, les contre-vérités scientifiques, les contre-vérités médiatiques. Ok. Moi, ce que je vous dis, c'est en gros, sur quoi on se base là-dedans pour aller dire ce genre de choses. Encore une fois, on souligne le consensus mondial et on vient dire l'inverse. Je suis un peu bloqué sur différents éléments quand même là-dessus. D'accord ? Donc, voilà. Après, on peut m'accuser de faire exactement la même chose, hein, c'est-à-dire de choisir les études qui conviennent bien au discours que je suis en train de tenir. Hein. Et j'espère d'ailleurs que vous serez suffisamment critique, justement, pour pouvoir aller vérifier ces notions-là et d'aller regarder. Hein. D'accord ? Dans le consensus mondial, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. D'accord ? On a une centaine de professionnels partout dans le monde qui ont travaillé sur le sujet. Hein. Vous pouvez consulter à ce sujet la mise à jour en 2021 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Or, je l'ai dit un peu plus tôt, ce médicament ne soigne pas. Il apaise des symptômes qui cachent en réalité, selon nous, un conflit psychique. Mais en endormant ce conflit, on renonce à l'entendre, donc à le résoudre. Or, ce qui n'est pas réglé maintenant restera, selon nous, à vie un problème pour l'enfant. Ce qui va à l'encontre des données sur le fait que on a quand même une grande quantité de rémission de TDAH, c'est-à-dire que on a à peu près la moitié des personnes TDAH qui n'ont plus de problème dans le temps. D'accord ? Pour une fois, c'est une rémission avec une compensation et ainsi de suite. Hein. D'accord ? La psychopathologie, les troubles de l'attention, ça ne veut pas dire grand-chose, car avoir des difficultés attentionnelles est un symptôme qui s'inscrit toujours dans un tableau symptomatique plus large dont il faut encore une fois comprendre le sens, c'est-à-dire le soubassement psychopathologique, autrement dit, la fixation. De quelle nature est-elle ? Est-ce que l'enfant est resté coincé sur la toute première marche de l'escalier et est tellement perdu dans son repérage du réel qu'il est incapable de comprendre ce que disent les consignes scolaires ? Est-ce qu'il est resté sur la deuxième marche de l'escalier et ses difficultés à se concentrer cachent en réalité une dépression qui le rend totalement indisponible pour les apprentissages et son lot d'efforts à fournir ? Est-ce qu'il est immobilisé sur la troisième marche parce que son père vient de l'abandonner sans lui expliquer les raisons de son départ et qu'il se sent nul, incapable de réussir un exercice face à une copie qui restera blanche ? Est-ce que l'enfant assis sur la quatrième marche profite d'une trop grande liberté pulsionnelle à la maison, parce que ses parents ont connu des violences éducatives et ne veulent surtout pas contraindre leur enfant, le rendant à l'inverse malheureusement intolérant à tout effort de mobilisation attentionnelle un peu disciplinée sur ses cahiers ? Est-ce que les transformations corporelles de l'adolescent qui nous arrive et ne parvient pas à dépasser la cinquième marche réactivent un complexe d'Oedipe flamboyant et inhibe tout, y compris sa pensée, dans un mouvement de refoulement psychique global ? En bref, il n'y a pas un trouble attentionnel qui ressemble à un autre, et les traiter tous de façon indifférenciée avec des amphétamines chargées d'éteindre l'expression de tous ces soubassements conflictuels et structurels me semble parfois prendre le risque d'empêcher le soin. Deux choses. Ici, on est vraiment dans l'idée du référentiel théorique. Donc moi, j'ai pas de critique là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans un diagnostic différentiel, d'accord, avec différentes étapes. C'est d'expliquer qu'un symptôme de TDAH peut être expliqué par plein de choses différentes. Et le référentiel théorique sur lequel elle s'appuie est le sien et avec lequel elle avance. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, ça, c'est pas une critique. Pour moi, je suis plutôt d'accord avec elle sur le principe, pas sur le fond théorique, parce qu'on n'a pas la même lunette d'observation, d'accord, mais sur le fond de se dire, ben, écoutez, un trouble attentionnel, ça peut être plein de choses différentes, ben ouais, je suis entièrement d'accord avec elle. Je vous assure, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a du TDAH et il y a plein d'autres choses. Et donc, le but de notre travail, d'accord, c'est de décortiquer ce que elle appelle des marches avec son référentiel,
mais de décortiquer le diagnostic différentiel de ce patient. D'accord? Donc, c'est un peu cette idée quand même de se poser par rapport à ça. Ok? Par contre, je tiens juste à vous mentionner un petit truc. D'accord? C'est un élément donc de dire, c'est l'intervention de manière indifférenciée, d'accord, de les prendre tous comme si c'était la même chose. Je vous demande juste de retenir cette information-là, d'accord, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a un petit twist dans le truc, c'est-à-dire que nous, en termes de neurosciences, le TDAH, on le fait de manière indifférenciée, d'accord. Donc on va les prendre en charge tous de la même façon, d'accord. Et c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas le sens qu'on va donner aux choses, d'accord. Venons-en maintenant à l'hyperactivité optionnelle de ce tableau de TDAH. Pour la psychanalyse, l'hyperactivité a toujours existé. Elle est également appelée instabilité ou hyperkinésie. Elle correspond à une fixation sur la deuxième marche de l'escalier. Vous savez, l'hyperkinésie, ça existait avant la psychanalyse. Donc, c'est un peu intéressant de voir ça. Et la dépression. Dans l'hyperactivité, l'enfant lutte contre l'effondrement dépressif par l'agitation. Ça semble un peu tordu, je vous l'accorde, mais c'est un principe connu en psychiatrie adulte dans la bipolarité qu'on appelle aussi maniaco-dépression. Tous ces patients sont en réalité les mêmes. Donc là, tous les patients sont les mêmes. C'est-à-dire que nous, on est indifférenciés sur les aspects attentionnels, mais par contre, l'hyperactivité, l'agitation et ainsi de suite, pas de problème. Donc pour les deux symptômes différents, il y en a qu'on peut prendre, c'est tous les mêmes patients, d'accord? Et dans l'inattention, non, c'est totalement différent. Mais en fait, non. C'est-à-dire que l'agitation qui est en lien avec de l'anxiété ou de la dépression, c'est pas l'agitation qui est dans le TDAH. C'est pas la même, hein, pour le coup. Ça, encore une fois, d'un point de vue différentiel, ça se joue. Donc, mais là, par contre, pour moi, c'est ma critique avec ma vision de mon référentiel théorique. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre comme ça. Elle n'est pas en train de dire que le TDAH n'existe pas. D'accord? Encore une fois, elle est en train de se baser sur son modèle théorique. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces notions-là et de ne pas tirer à vue non plus quand on est dans ce cadre-là. D'accord? Mais l'argumentaire qui est derrière, si on ne connaît pas l'approche en psychopathologie analytique, moi je ne la connais pas, ben ça me gêne de me dire qu'il y a des symptômes, on doit les considérer comme unitaires chez tout le monde, et d'autres symptômes, mais non, ils sont tous différents chez les autres. J'ai une balance qui est un peu compliquée pour moi là. Mais peut-être parce que je ne connais pas l'approche. D'accord? C'est moi, mon manque de connaissances qui peut être là-dessus. Les hyperactifs sont les instables, qui sont les hyperkinétiques, les maniaco-dépressifs et les bipolaires. Dans un article de 2021, une méta-analyse de Carmen Chiwek a d'ailleurs mis en évidence l'importante comorbidité entre TDAH et troubles bipolaires chez l'adulte. Tous apparaissent très excités, alors que le fond de leur cœur est plein de tristesse. La molécule de méthylphénidate donne d'ailleurs raison à cette logique sur laquelle semblait buter le docteur Vera un peu plus tôt, puisqu'elle calme l'agitation par une amphétamine. Et je rappelle encore une fois qu'une amphétamine, en principe, ça agite, ça n'est pas fait pour endormir. La molécule empêche donc la dépression d'ensevelir la pensée, de rendre inattentif. On a toujours donné des antidépresseurs aux patients adultes déprimés pour qui la thérapie ne suffisait pas. Mais donner systématiquement une amphétamine à un enfant, sous prétexte qu'il a du mal à se concentrer... Encore une fois, c'est de l'exagération, systématiquement. Ça part du principe du 5% d'enfants sous méthylphénidate, alors qu'ils sont 0,5%. Vous voyez? Il y a quand même un petit truc là, c'est donner systématiquement, alors que la prescription en elle-même est rare chez les enfants. Elle est rare. Non, j'exagère quand je dis ça, c'est pas vrai. Elle n'est pas rare, mais elle n'est pas au cadre du systématique. D'accord? C'est important quand même de se positionner là-dessus, de ne pas faire ce type de raccourci. Alors même qu'on ignore si sa difficulté de concentration relève d'une fixation à la première, seconde, troisième, quatrième ou cinquième marche, me semble inutilement lacunaire, parce que cette molécule ne devrait servir qu'à calmer les hyperactivités de la seconde marche, et uniquement en appoint de la psychothérapie si celle-ci échoue à se mettre en place à cause de l'intensité des symptômes et de la souffrance. Or, encore une fois, et là est l'essentiel de mon propos, le taux de prescription de cette molécule trahit bien que les profils de ces enfants aujourd'hui sous méthylphénidate ne sont pas forcément dans cette situation. Je vais maintenant vous exposer quelques brèves... Alors, le truc c'est que je ne sais plus exactement, je pense qu'elle en parle peut-être à la conclusion, mais je vais revenir dessus. Elle revient toujours sur le taux de prescription non-stop en France, et ainsi de suite, et notamment sur l'augmentation des pourcentages. Je vais peut-être exagérer le truc,
Mais vous allez comprendre en fait en quoi l'argumentaire basé sur des pourcentages, c'est sans doute le pire argumentaire qu'on ait trouvé de la planète pour essayer de montrer qu'un truc allait pas. Vous savez, quand on vous dit attention, le taux de prescription augmente de 80% dans la population, il faut vraiment faire gaffe par rapport à ce genre de choses. En fait, on va faire des maths de base, quoi. Donc la question mathématique des pourcentages, moi, elle me dérange sur un truc. C'est que quand vous avez 200 patients, un an plus tard, ben, vous avez... enfin, non, 10 ans plus tard, vous avez 320 patients, vous avez 60% d'augmentation. C'est énorme. D'accord? Par contre, si vous avez 2000 patients à l'origine et que vous avez toujours que 120 patients en plus, c'est-à-dire autant de patients, d'accord? Ça représente que 6% d'augmentation. La question du pourcentage, elle est folle parce qu'elle est utilisée en argumentaire pour essayer de montrer un truc qui est terrifiant et qui est horrible. En termes d'argument, c'est nul, vraiment. Parce que soit on pose ces pourcentages avec un chiffre au départ, d'accord? C'est que pour un même nombre de patients qui a été diagnostiqué et qui augmente, évidemment, ce n'est pas la même proportion selon le nombre de départs. Ça, c'est important. Quand on vous dit il y a 100% d'augmentation, ouais, si vous passez de une à deux personnes, c'est 100% d'augmentation. Mais si vous passez de 100 à 101 personnes, ben non, c'est pas la même chose. En fait, en mathématiques, quand même, il y a des bases, quoi. La proportion, sans parler du chiffre à l'origine, ben, ça marche pas. En France, on part de prévalences diagnostiques qui sont faibles. D'accord? Il y a même des cas où on a des études et récentes, notamment qui sont faites, où on parle de prévalence de 0,3%. D'accord? D'auteurs d'ailleurs que Caroline Goldman va citer. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que si vous partez de très loin, ben, évidemment chaque cas qui arrive, ça fait exploser le pourcentage. Ben oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les proportions, quoi, c'est la base du truc. D'accord? Donc le truc, c'est par contre ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est l'explosion du pourcentage au départ, même de la prévalence, et puis une stabilisation. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, par exemple, le taux de prévalence du trouble, il a augmenté en lien avec l'approche, ben, forcément diagnostique. Plus vous évaluez, plus il y a de chances que vous en trouviez. C'est la base de la base, d'accord? Et plus les analyses, ben, cliniques arrivent, plus vous êtes capable de diagnostiquer un truc un peu plus facilement. Ben, cette idée, c'est de se dire que forcément ça augmente et après normalement ça va se stabiliser. On n'est pas face à une épidémie, hein, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui vous parlent d'épidémie de TDAH, mais on n'est pas face à une épidémie. Ça augmente et puis ça se stabilise. Et ça, en fait, depuis 2008 au niveau mondial, c'est quelque chose qu'on voit. Explosion de cas parce qu'on diagnostique un peu plus et puis stabilisation. En France, on est dans la phase de diagnostic, quoi. Donc forcément ça augmente et ça explose. C'est logique et l'objectif, c'est que ça va se stabiliser dans le temps. C'est normal. Et en fait, c'est la même chose avec le taux de prescription. Ben oui, forcément, plus vous diagnostiquez, plus il y a des risques d'avoir une prescription, c'est vrai. Et donc, à côté de ça, ben oui, forcément, vous avez une montée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez des critiques qui sont posées sur notamment la HAS, et de se dire, oui, mais regardez, la HAS, elle aussi, elle a pu observer ce genre d'éléments, faut vraiment y faire attention. Ok? Moi, je suis allé voir en fait l'agence médicale, en fait, l'Agence nationale des médicaments, puisque c'est cité aussi dans ce cadre-là. Et en fait, si vous allez regarder, voilà, donc l'ANSM, hein, en France, d'accord, bah, c'est sollicité pour disposer, alors, le rapport de 2017, donc on est sur les données qui ont été mises à jour pendant la période 2014-2018, sur le taux de prescription du méthylphénidate en France, d'accord, donc. Je prends des données nationales, hein. Là, je suis pas sur un truc fou, hein, d'accord? Donc, ben, effectivement, on remarque qu'il y a 76% de garçons, 24% féminins, qui correspondent au sexe ratio pour le moment, ok? Néanmoins, en 2016-2018, l'utilisation de ce médicament en France, comme on peut le voir sur l'histogramme ci-dessous, est faible en comparaison à celle d'autres pays, comme la Suède, le Danemark, et ainsi de suite. Stabilisation, hein, dans les pays. Donc, vous voyez, c'est stabilisé, en fait, hein, d'accord? Ici, on a même des diminutions dans certains pays, mais globalement, statistiquement, eux, ils sont stabilisés. Et en France, oui, on a une explosion du truc. Mais c'est une explosion qui est infime là-dessus, hein. Vraiment. Donc, ouais, effectivement, on a une augmentation du trouble. On a une augmentation de la médication, excusez-moi. Une augmentation de la médication. Ouais. Ok. En extrapolant les estimations de prévalence du TDAH comprises entre 2 et 5%, donc en plus ils sont modérés sur la prévalence du TDAH, hein, d'accord, à la population des enfants,
Ben, le nombre de patients traités en France, autour de 90 000, reste donc limité au regard de la prévalence estimée de la maladie. Ça, c'est les données claires, nettes, précises au niveau national de la NSM. Enfin, moi, je veux bien, hein, et c'est piloté par la HAS, ce genre de choses. Donc, en fait, la question, c'est juste de se dire que quand vous faites une évaluation sur une population générale qui est quand même limitée, d'accord, c'est de se dire que, bah, au final, évidemment que quand vous commencez très bas, il y a une montée et il y a une explosion à la fois des diagnostics cliniques et à la fois des prescriptions. Mais par contre, c'est de regarder un petit peu cet aspect-là d'un point de vue général, quoi. D'accord? Et ça, c'est important. Encore une fois, quand on parle de pourcentage et d'augmentation, il faut préciser d'où on démarre. Et ça, c'est important. Malheureusement, dans le podcast, c'est pas fait. Et donc, ça fait passer le message qu'il y a une explosion, une épidémie de choses. Et ça, d'un point de vue argumentaire, évidemment que, un, c'est à charge. Et deux, bah, par contre, c'est pas forcément valide. D'accord? Alors là, on rentre dans les cas cliniques. Situation clinique que j'ai D'accord? rencontrée. Donc je ne vais pas passer les cas cliniques. Comme je vous ai dit, moi je vous conseille vraiment d'aller les écouter. Et ce n'est pas pour rire. Sincèrement, les cas cliniques, ils sont passionnants. Vraiment. D'accord? Encore une fois, avec un regard qui est celui de l'approche analytique, de la psychopathologie analytique. Moi, je les trouve passionnants. Vraiment. Parce que j'adore les cas cliniques et j'adore entendre ça. Et j'essaye vraiment de mieux saisir un petit peu certains éléments. Il y a des choses que je ne comprends pas, clairement, parce que je suis pas spécialiste de cette question-là. Mais je les trouve vraiment fascinants dans la construction et dans la réflexion qui est derrière. Parce qu'il y a une vraie réflexion clinique qui est derrière. Et ça, c'est ultra intéressant. Moi, je vous conseille, personnellement, je vais être honnête avec vous, c'est la partie que j'ai préférée dans le podcast. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction potentielle. D'accord? Ça, pour moi, c'est important. C'est de se dire que dans un cas clinique, personne ne peut aller critiquer les cas cliniques des autres. Étant donné que c'est elle qui l'a vécu en situation dans son bureau, ses cas cliniques, son référentiel dans lequel elle avance. On pourrait toujours avoir un avis, mais avoir un avis sur des patients qu'on ne connaît pas et sur des cas qu'on ne connaît pas, je vois pas l'intérêt. Par contre, essayer d'écouter la dynamique et la réflexion qui est derrière, par contre, ça, moi, personnellement, j'ai énormément apprécié. Et je trouve que c'est une des forces, d'ailleurs, des podcasts de Caroline Goldman, c'est d'amener cet aspect clinique, d'accord? C'est ça qui est intéressant. Okay? Donc je saute les aspects et on arrive en fait à la conclusion du cas. Ici, je saute, je pense que c'est aux alentours des 31 minutes, je crois, un truc comme ça. Et inquiétante dont tu serais le héros, et à tout va des aventures imaginaires et inquiétantes dont tu serais debout pendant les 3 heures d'entretien préliminaire parce que s'asseoir est difficile pour lui. Alors, je retrouve, je cherche l'endroit où ça reprend. Ah zut, je vais y arriver. Allez, on reprend ici. Sur son intuition et à appeler ces liens. Les neurosciences et la psychopathologie envisagent des schémas opposés de compréhension de la maladie mentale. Pour les neurosciences, Donc ça, c'est Caroline Goldman qui le dit, hein. D'accord? On voit les choses différemment, d'accord? Puisqu'il est vrai, on a un référentiel théorique qui est différent, ça c'est sûr. au départ, il y a la maladie innée, et celle-ci entraîne secondairement des désordres relationnels et de la souffrance envisagés comme des conséquences. Pour la psychopathologie, au départ, il y a des désaccordages relationnels, et ce sont eux qui génèrent à la fois la souffrance et la maladie par une logique de fixation au cours du développement. En fait, là, c'est de dire les neurosciences, c'est inné, et donc forcément, les problèmes découlent des problèmes neuro. Et dans le cas de la psychopathologie, en fait, ben, c'est l'inverse. Nous, on va penser autrement les choses. Ben, moi, en fait, je suis d'accord avec aucun des deux. C'est ça le truc. C'est. Il n'y a pas de.
de vision là-dessus. C'est, elle oppose des choses qui ne devraient pas être opposées, mais les neurosciences sont exactement le même aspect, hein, d'accord? Là, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, hein, pas du tout. Hein. Mais le truc, c'est que si on a travaillé dans des approches comportementales, des approches neurocognitives, qu'on a été formé correctement, qu'on a apporté les choses de manière adaptée, eh ben, en fait, on a une vision qui est globale. C'est-à-dire à la fois l'impact environnemental et à la fois la question, évidemment, peut-être neuro à un moment donné. On est d'accord sur le fait que les deux sont bons. Il n'y a pas besoin d'opposer, en fait. Il n'y a pas besoin de voir les choses différemment. Ni les neurosciences, ni les aspects analytiques n'ont forcément raison. Ils ont tous les deux quelque chose à apporter aujourd'hui. Plutôt que de se battre et d'essayer d'imposer comme ça, pourquoi ils ne travailleraient pas ensemble à un moment donné? C'est ça, en fait, qu'il faudrait viser. L'ordre est différent, mais les ingrédients sont les mêmes. Il parle de symptômes, de souffrances et de conflits intrafamiliaux. Et même la notion de fixation qui manquait à l'approche neuroscientifique semble venir faire son entrée derrière la nouvelle formule troubles neurodéveloppementaux. En lisant les ouvrages de mes collègues neuroscientifiques sur le TDAH, je me suis dit que nous observions exactement les mêmes réalités en les ordonnant et en les nommant simplement différemment. Je suis d'accord, sauf pour l'ordre. Je pense qu'on parle de la même chose, mais on ne parle pas avec les mêmes mots et on n'est pas dans le même ordre. Parce qu'il n'y a pas d'ordre, en fait, en tant que tel. C'est ça le truc de cette approche. Et vous inquiétez pas, c'est une, on a bientôt fini. J'ai aussi lu que nous pressentions les mêmes leviers thérapeutiques pour les agitations infantiles et qu'ils se situaient de façon privilégiée du côté de la guidance parentale et du réaccordage des liens parents-enfants. Je renvoie d'ailleurs ce que ces questions intéressent aux notions neuroscientifiques de qualité de vie et de compétences parentales des auteurs Sonia Fink et Céline Clément. Je pense que c'est en effectuant ces passerelles théorico-cliniques interdisciplinaires critiques que nous parviendrons à dessiner la meilleure thérapie du futur pour nos patients. Continuons à faire progresser nos propres référentiels théoriques, mais n'oublions pas de nous intéresser aux autres champs d'études au risque d'appauvrir nos offres de soins. Toutes les approches ont quelque chose à dire aux autres, que leurs résultats de recherche fassent l'objet de découvertes validées ou qu'elles se révèlent avoir été de fausses pistes. J'aime beaucoup la conclusion, qui est extrêmement juste, pour le coup, qui correspond pas à l'ensemble du podcast. Je trouve ça un peu dommage, mais la conclusion est juste. C'est-à-dire, continuons à faire avancer nos approches, ne nous fermons pas aux autres approches, parce que ça, je pense que c'est important, d'accord? Essayons de travailler ensemble à un moment donné pour le TDAH, je pense que ça a beaucoup de sens. On peut avoir une critique sur le trouble, on peut avoir une critique sur les critères de diagnostic, on peut avoir une critique sur telle ou telle chose. Ce que je reproche, au final, ma conclusion sur ce podcast, la critique que je peux faire, c'est que c'est pas une critique du TDAH. C'est pas une critique du trouble en lui-même, où on a abordé la question des symptômes, en fait. C'est plutôt la question de comment on le diagnostique, au final. Est-ce qu'on ne doit pas faire attention à un diagnostic différentiel? Ben oui, évidemment. Est-ce qu'on ne doit pas faire attention à tel ou tel élément dans le truc? Est-ce que les symptômes sont beaucoup trop vagues? Oui, on est d'accord sur l'ensemble de ce sujet-là. Je trouverais juste un peu dommage, à un moment donné, d'avoir des mauvaises informations. Parce que ce sont des mauvaises informations, pour le coup. C'est lire quelque chose et le surinterpréter, voire faire des erreurs à un moment donné sur ce sujet-là. D'accord? C'est d'aller dire aux gens de faire peur avec des pourcentages, des augmentations de folles, de parler d'amphétamine non-stop pendant le truc. Il faut expliquer la différence peut-être à un moment donné entre le dérivé d'une amphétamine et une amphétamine à un moment donné. Le fait de dire dès le départ, on drogue les enfants. D'accord? Alors ça, c'est souvent parce qu'on fait un raccourci américain entre drugs en anglais et drogue. Ben, drugs, en fait, ça veut pas dire drogue, ça veut dire médicament à un moment donné. Donc, il faut peut-être faire la différence entre les deux, la définition notamment des deux. Donc, il y a cet aspect qui est effectivement, Florence, c'est pour moi, c'est une critique des professionnels, c'est une critique des approches du TDAH, c'est une critique de la médication, d'accord, basée sur des faux faits historiques. En tout cas, c'est pas des faux faits historiques, c'est pas vrai en fait. C'est sur une interprétation très personnelle de l'historique, c'est-à-dire qu'elle va parler du mot TDAH, et effectivement, le mot TDAH apparaît dans le DSM, mais pas en lien avec l'apparition de la molécule, d'accord? Et derrière, sur des lectures de papier qu'elle recommande, mais qui sont pas justes, de dire qu'il n'y a aucune thérapie non médicamenteuse qui montre des effets alors que le consensus montre qu'il y en a,
moi, ça m'embête un peu, ça, c'est, pour moi ça m'embête, de montrer des explosions de prévalence, de parler de 5% d'enfants sous méthylphénidate, c'est pas vrai, c'est 0,5% aujourd'hui en France. Donc de 1 sur 20, on passe à 1 sur 200, je pense quand même que c'est pas fou, d'accord? De notifier justement, de faire des erreurs, en fait, des approximations entre les taux de prévalence, les taux de médication, et ça pour moi, ça, c'est ça qui m'a bloqué un peu. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast et cette vidéo avec vous en live. Pourquoi? Parce que je pense qu'à des moments, si on a une approche scientifique, comme c'est déclaré au départ, je pense qu'on peut se remettre en question. Je pense que on peut entendre cet aspect-là. Je pense que on peut entendre que, bah, effectivement, on a eu des interprétations, on a été un peu trop vite, on a lu un truc qui n'était pas, voilà, d'accord? Le problème, c'est que ça vient entraver la qualité du podcast et la qualité du message qui est derrière, de travailler ensemble, de pouvoir essayer de faire en sorte que, à un moment donné, on arrête de s'opposer, hein, et de se dire, ah, il y a les neurosciences d'un côté et la psychanalyse de l'autre. Je pense que ça n'a pas vocation de ce genre de choses. Moi, je pense sincèrement, d'accord, que la psychanalyse a aidé des gens. Okay. Ça, pour moi, c'est, voilà. Par contre, est-ce que ça a une base scientifique? J'ai pas l'impression, mais voilà. Et que l'argumentation, en fait, qui est posée sur la question du TDAH en lui-même, on pourrait exactement faire la même chose, ce qui serait idiot, hein, mais sur la psychanalyse. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, ce n'est pas une critique de la psychanalyse. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'en fait, c'est la même argumentation. De dire, ah oui, mais voilà, les psychanalystes peinent, en fait, à démontrer, ben, par exemple, la réaction agitation dans la dépression, de ces fameuses marches, montrez-le-moi. Quel est le protocole qui me permet de valider ça? Au-delà de, on pense que c'est une hypothèse de fonctionnement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même important. Alors, moi, j'ai pris plaisir à faire ça. J'ai pris plaisir à décortiquer au final ça, à aller regarder un petit peu cet argumentaire qui me dérange pour les patients que j'ai pu déjà voir et qui, ben, sincèrement, en écoutant ça, ça doit être difficile quand vous avez un enfant TDAH. Qu'il est important qu'une personne médiatique qui se base sur des données scientifiques et qui exclut les contre-vérités médiatiques, et c'est tout à son honneur de le faire, mais n'en fasse pas elle-même. Ça, je pense par contre que c'est important. D'accord. Et ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment indispensable à pouvoir mettre en évidence. Évidemment que le TDAH est critiquable aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des éléments de formation, de diagnostic différentiel qu'on ne fait pas aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des médecins qui posent des diagnostics en 10 minutes. D'accord. Et que derrière, il y a une médication qui est prescrite à tort. Évidemment, toutes ces notions, elles sont vraies. Elles ne sont pas contestables aujourd'hui. Il y en a. D'accord. Donc, c'est important de se dire que aujourd'hui, bah, ce qui a été dit, j'espère avoir essayé de remettre, en fait, un équilibre. D'accord. Pour moi, ce n'est pas une question d'aller dire « la psychanalyse, c'est horrible ». Rien à voir. C'est juste de dire un équilibre en disant « ah ben allez vous référer à telle chose » et quand on se réfère, ben en fait, c'est pas ce qui est dit dans le podcast. Ça m'embête un peu. Vous voyez? Donc, faut essayer de regarder ces éléments-là. D'accord? Donc, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, parce que j'ai vu plein de messages, mais évidemment, pendant que j'étais en train d'écouter et que je répondais, ben, j'ai pas tout lu, j'ai pas répondu à vos questions. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Moi, je suis encore là, donc... évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions, s'il y a des remarques aussi là-dessus, si justement vous avez le droit de dire que c'était nul, hein. J'ai aucun problème, on a passé 2 heures à faire ça, j'ai pas de souci. Vous avez le droit de dire que c'était nul, j'ai pas de souci là-dessus. Vous avez le droit de dire que c'était bien aussi, hein. Je suis pas contre la critique positive non plus. J'espère que j'ai pas fait le message que c'était à charge du podcast. D'accord? C'est pas à charge du podcast, c'est à charge de l'argumentaire et des informations qui sont dedans. D'accord? Pour moi, c'est vraiment important que ça soit compris comme ça. Et bah, évidemment, n'hésitez pas. Je suis dispo pour vous écouter. On a le temps de parler un petit peu si vous voulez. Ou sinon, je vous retiens pas, hein, évidemment. Mais en tout cas, merci d'avoir été si nombreux à participer, à écouter l'approche, de voir un petit peu ces éléments-là. Et n'hésitez pas à me dire si ça a été trop loin, s'il y a des choses, effectivement, que ça va pas. Bah, moi, j'aime bien faire ça, donc c'est un truc qui me botte. J'aimerais bien en faire d'autres, vous voyez. C'est un peu l'idée de... Je commençais par celui-là, parce que c'est un qui est médiatique aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant de pouvoir amener cet élément-là, mais je réfléchissais à pouvoir faire d'autres remarques comme ça sur des conférences, ce genre de choses qui pourraient être intéressantes là-dessus. Donc voilà. Constructif, bienveillant. J'essaye.
Antoine, c'était intéressant. Je maintiens que ce qui serait intéressant serait de dialoguer avec elle. Eh ben, Antoine, c'est prévu. Là, maintenant, je vais finir l'enregistrement et je vais lui envoyer la vidéo. Parce que moi aussi, en fait, je suis convaincu que ce serait intéressant qu'on puisse échanger pour aller plus loin. Parce que forcément, elle ne peut pas répondre à ce que je dis. D'accord? Autant qu'on ne pouvait pas répondre au moment où elle a fait son podcast. Et c'est un peu ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le dialogue avec elle serait super intéressant et j'adorerais pouvoir le présenter à un moment donné. Donc, moi, je vais présenter la vidéo, je vais lui envoyer, c'est prévu, c'est mon mail de demain matin. Donc, j'ai suivi ton conseil sur LinkedIn pour voir ça. Mais c'était prévu à la base. Donc, ouais. Laurence, surprise parce que justement, je craignais un truc à charge. Ouais, non, j'ai pas vocation à faire ça. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut, hein, d'accord? Moi, je suis plutôt sur la question de la réflexion qui est derrière. Ouais. Éclairage sur le TDAH dans la famille, j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir eu l'impression de transmettre ça à mon fils. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Est-ce que je demande à Nicolas de faire la même chose sur son podcast sur le haut potentiel intellectuel? Moi, je l'ai écouté, celui sur le haut potentiel intellectuel, il m'a pas choqué, hein. Il y a pas, oui, encore une fois, il y a des petites réflexions sur le sujet, mais c'est pas, ça m'a pas super, super choqué non plus, hein. Donc, contrairement à ce que j'ai déjà entendu de personnes qui sont spécialisées du haut potentiel, sincèrement, elle est modérée et ça va, hein. En sachant que la thèse de doctorat de Caroline Goldman, c'est une thèse de doctorat sur le haut potentiel intellectuel, hein. Donc, après, une approche psychanalyse, encore une fois, dans son référentiel, mais c'est une approche sur le sujet. Donc, pour en faire d'autres, c'est pas la matière qui manque, oui, je sais. Non, mais je trouve ça. Il faut que ça soit utile aux gens, parce que si c'est pour le faire, juste pour le faire, et surfer, et faire la même chose pour se voir, je vois pas l'intérêt, il faut que ça ait du sens quand même. Ici, c'est vraiment le sens de reconstruire cet aspect. Est-ce que les thérapies comportementales seraient une sorte de pont entre l'approche neurosciences et l'approche psychanalyse, en prenant en compte à la fois le côté TND et l'environnement? Mais je pense en fait que l'ensemble des thérapies aujourd'hui en psychologie prennent en compte les deux. Je pense que c'est ça en fait le truc. On a une vision très, très manichéenne des deux, quoi. Les approches neurosciences, c'est du comportementalisme, les approches psychanalyse, c'est que de l'environnemental. Ben, non, en fait. Et je pense, si on veut faire des critiques sur les approches neuroscientifiques, c'est vrai qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte l'environnement, dans certaines approches. Le comportemental, les TCC, elles prennent justement bien en compte l'environnement de ce que je connais. Je ne suis pas thérapeute, moi, donc voilà. L'approche psychanalytique, l'idée, c'est qu'elle prend en compte l'environnement. Chez l'enfant, elle prend surtout en compte l'environnement familial, et c'est un environnement, d'accord? Encore une fois, je pense que la majorité des psychanalystes vont voir plus loin que ça, et ils vont évoluer vers des réflexions qui sont plus larges. Donc je pense qu'on est plutôt là-dedans. Ouais. Donc c'est pas forcément un pont, je pense que c'est une continuité de la psychologie et de la prise en charge, en fait. Après, on a des référentiels qui peuvent être différents, ouais, c'est sûr. Être au courant de la suite. Ah oui, moi je vous tiens aux questions. Je vous tiens au courant plutôt par rapport à ça, si j'ai une réaction de sa part, si elle souhaite pas le faire en direct et qu'elle préfère faire un droit de réponse, j'ai aucun problème sur le sujet. Et je vous le transférerai avec toute honnêteté, j'ai aucun problème là-dessus. Je vais le transférer à une personne qui dénie le TDAH. Ça fera avancer le schmilblick. Ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont très très attachés et qui vous diront de toute façon que même avec des arguments, ça ne marchera pas. Donc, ouais. Laurie, on a fait trois diagnostics chez trois médecins différents. Le diagnostic a été le même. Seule différence, TDAH sévère et pas sévère. Ouais. C'est parce que ça évolue, hein. Ça fluctue. Donc, dans le temps, il peut être sévère à un instant T, moins sévère à un autre. J'attends sa vidéo, elle débunk ce que tu dis en direct. Ouais, bah, elle a raison. Et si elle le fait, j'en serais super content, hein, franchement. Parce que, encore une fois, c'est comme ça que les choses vont avancer. Les gens vont se positionner. Moi, je n'ai pas objectif de vous dire il faut me croire et j'ai pas objectif de vous convaincre, en fait. Moi, mon objectif, c'est de montrer des incohérences donc, dans cet aspect-là. Mais si elle le fait, avec grand plaisir, et je serai le premier à aller écouter et à regarder. Ouais, je suis pas choqué de son approche qui a son intérêt. Ouais, moi, je suis pas choqué. Il y a certains éléments. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est d'amener toujours ce couvert scientifique, scientifique, scientifique. Ça me patauge un peu. Donc c'est là que ça patauge un petit peu pour moi. C'est-à-dire que quand on a des éléments, encore une fois, enfin, là je vais parler sur la présentation. C'est de dire, j'ai un doctorat, d'accord, je donne des cours à la fac depuis 15 ans, je fais de la clinique depuis X années, j'ai un regard qui se veut scientifique et les contre-vérités médiatiques me dérangent, mais par contre,
Je lis pas les articles, enfin, je donne des informations qui sont même pas celles de l'article que j'ai lu. Ça, c'est un peu difficile, quoi. Je veux dire, à un moment donné, s'il y a bien un truc que la rigueur du doctorat demande, c'est de pas surinterpréter les articles et surtout de pas faire des confusions de mots dans les articles, quoi. Entre prévalence d'un trouble et prévalence de la médication, de la prescription, déjà, la différence entre hérédité et héritabilité. Voilà. Après, je suis tout à fait conscient que dans un podcast, c'est difficile à mettre en place et à transmettre. Donc, je sais aussi que peut-être que c'est des approximations, simplement. D'accord? Mais approximation en lien avec la présentation, ça peut être difficile. Donc, voilà. La psychomotricité, c'est au carrefour des neurosciences de la psychopathologie. Donc, merci pour cette réflexion nuancée dans laquelle je me retrouve. Et bien, tant mieux. Très intéressé, merci pour la nuance et la mesure de vos propos, loin de la folie des réactions stériles sur les réseaux. Effectivement, un débat avec Caroline serait super dans ce cadre. Ouais, je pense aussi. Ça serait vraiment chouette. La troisième génération de TCC fait évoluer les choses. Ouais, mais même avant, ça évoluait déjà. J'ai trouvé plein de trucs sur son approche du HPI. Elle met toutes les erreurs de diagnostic HPI sur les limites éducatives. Oui, après, elle est dans un cadre de développement autour des limites éducatives, sur lesquelles, effectivement, là aussi, il y a beaucoup d'approximations à mon sens. Mais oui, bien sûr. Sera-t-il possible d'accéder à un enregistrement par la suite? J'ai pas pu assister à la totalité. Oui, la vidéo, elle sera sur la page et je la mets sur la chaîne YouTube juste après. Donc, elle sera disponible demain matin, en entier. Ça serait cool d'interviewer des personnes qui sont parvenues à sortir du TDAH, à rebondir à force d'entraînement, de création de nouvelles habitudes, de discipline. Ouais, c'est prévu, je crois. On va retrouver des gens qui, justement, sont passés par la rémission du trouble. Ouais. C'est là où ma vision de la psychanalyse est un peu édulcorée. Non, je suis confiant moi, dans les pratiques. Et je dis pas qu'il n'y a pas des idiots, hein. Enfin, Florence, en psychanalyse, il y a des gens qui sont pas nets, et puis en neuropsychologie aussi, il y a des gens qui sont pas nets. Hein. Enfin, je veux dire, moi, tester à tout va, je vois pas l'intérêt, quoi. Vous voyez? Donc, ouais, faire des anamnèses de l'enfant, savoir son développement, lui faire un test et puis trouver une pathologie comme ça, sans prendre en compte l'école, la famille et autres, je vois pas en quoi c'est mieux que de faire de la psychanalyse du début du XXe siècle. Hein. Pour moi, c'est le même travail. Hein. Non, ça sert à rien. Donc, ouais. Est-ce que le méthylphénidate a des effets sur les enfants sains? J'ai l'impression que c'est ça qui ouvre la voie aux critiques. On drogue des enfants qui ne vont bien et n'ont pas de troubles. Bah là, oui, effectivement, c'est la question du diagnostic, en fait, Johanna. Alors après, oui, le méthylphénidate peut avoir des effets sur quelqu'un qui n'a pas de TDAH a priori. C'est pour ça que certains étudiants, par exemple, en médecine, pour le blocus de leurs études, ils prennent du méthylphénidate pour rester concentrés et augmenter leur situation, mais c'est un mésusage de la médication. Donc voilà. C'est vraiment pas recommandé. On peut se poser la question du médecin qui prescrit ça. Ouais. Je travaille dans un dispositif DAR dans mon collège qui, à la base, est réservé aux enfants autistes. On parle de plus en plus d'y intégrer les enfants de TDAH, qui serait merveilleux. Ce groupe est si humain, si inventif, que ça serait vraiment un bienfait. Ouais, ce serait cool, effectivement. J'ai beaucoup de diplomatie. En fait, il faut savoir que. Ça, c'est parce que vous me connaissez maintenant. Il y a 5 ans, je pense que ça ne se serait pas passé de la même façon, en fait. Mais. Je me suis aperçu que d'être dans la critique pour la critique, d'accord, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que juste critiquer en disant oh non, mais c'est de la merde en fait, hein, c'est nul. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est de la psychanalyse, c'est nul. Non, ça n'a aucun intérêt parce que ça va avancer personne, littéralement. Ni les professionnels, ni les parents, ni personne du tout n'avance quand on fait ça. La science n'évolue que parce qu'on est capable de discuter. Ça, pour moi, c'est ultra important. Donc, c'est pas de la diplomatie, en fait. Je pense que c'est vraiment une façon de le penser, parce que y a du bon et il y a du mauvais dans les deux. Donc, c'est même pas de la diplomatie, en fait. Je trouve que c'est dommage, parce que le podcast aurait pu être de meilleure qualité avec les informations cohérentes. C'est juste ça, en fait. Moi, c'est juste. Voilà. Est-ce que ça existe des formations pour les crises? Oui, il y a des programmes d'entraînement aux habiletés parentales. On aide les parents à gérer les troubles, les problématiques comportementales des enfants. C'est là où on parlait notamment de programme Barclay et ainsi de suite. Donc, ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Je serais intéressé par des témoignages de jeunes adultes qui acceptent et progressent avec leur TDAH pour des ados jeunes adultes. Ouais. Ben, normalement, ça, on va en avoir.
quelques-uns sur la page. Ouais. Elle pose un argument d'autorité, oui. À certains moments, c'est de l'argument d'autorité, c'est vrai. Vie ma vie de TDAH. Ouais, c'est pas faux, ça. Bah, après, il y a des reportages sur le TDAH. Hein. Donc, ouais. Demander un droit de réponse quand ce type d'info est diffusé dans la presse, ce serait aussi intéressant. Ouais. Après, il faut avoir l'envie de le faire, faut avoir... on veut... C'est l'envie de s'investir médiatiquement dans les choses. Vous voyez, c'est le truc, par exemple, du Time Out qu'on a vu, et notamment la même polémique. C'est ça qui m'a amené à faire celui sur le TDAH. Mais sur le Time Out, c'est exactement la même chose. Après, il faut avoir envie de communiquer avec les journalistes, de voir aussi les raccourcis qui peuvent être faits entre l'article qui a été publié par le journaliste et ce qui a été dit en face à face. Il y a toujours ces principes-là qui, voilà, qui sont un peu... qui peuvent se questionner, en tout cas. Donc, ouais. J'ai l'impression qu'il y a confusion entre troubles attentionnels et TDAH. Tous les troubles attentionnels ne relèvent pas tous du diagnostic TDAH. Tout à fait. C'est pour ça que ce ne sont pas des troubles attentionnels, mais des difficultés attentionnelles, et pas un TDAH. En fait, on a une grosse confusion de terminologie. La confusion, elle est dans la difficulté d'attention, qui s'inscrit dans pratiquement tous les troubles en santé mentale, d'accord, et le diagnostic de TDAH. C'est pas la même chose. Donc tout à fait, Christelle, il y a une énorme confusion. D'où l'idée de former les professionnels un peu mieux, parce que je pense qu'on arrêterait un petit peu. Les gens qui ont une dépression, parce qu'on parlait de dépression, je pense pas qu'on a tout à fait la même définition de dépression, mais dans le podcast, mais les gens qui ont des dépressions ont des difficultés à se concentrer et à mémoriser. Dans l'anxiété, on a des difficultés attentionnelles. Si vous regardez dans la bipolarité, il y a des difficultés attentionnelles. Dans les troubles de personnalité, dans certains troubles de personnalité, la schizophrénie, on a des troubles attentionnels. Donc, le truc, c'est une difficulté attentionnelle qui est dans le cadre, c'est un symptôme de dysfonctionnement attentionnel. Le TDAH, c'est pas que ça, quoi. Donc, voilà. Donc oui, Christelle, je suis tout à fait d'accord sur le principe de la confusion entre les deux. Là-dessus, sur les bilans, à tout va, on est OK aussi. Ah bah oui, je connais l'éveil du TDAH, mais trop loin du langage actuel des jeunes. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas regardé, je sais qu'il fait énormément de choses, et j'ai pas regardé encore ce qu'il fait. Et pourtant, ça fait 2-3 ans qu'il fait des vidéos. Mais c'est vrai que j'ai pas accroché encore. Donc, ouais. On signe pour un stage. Non, je fais pas de stage, quoi. Non, ok. Ah oui, j'ai vu que Franck Ramu a répondu sur le timeout, ouais. Ouais. Et il l'a fait ultra bien. La première partie est vraiment bien. Non, en fait, la première partie, en fait, le cadre, je pense que c'était une des meilleures personnes pour faire une synthèse claire, nette, précise et directe. Après, bon, les pics qui sont derrière, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, le problème des pics qui sont derrière, et après, Franck en prend tellement, à mon avis, que... il peut bien se permettre d'y aller. Mais je suis pas sûr que ça fasse avancer vraiment le débat, que du contraire, en fait. Je pense que ça le tend d'autant plus dans le sens où il fait des pics et des critiques sur la personne en elle-même et sur la psychanalyse. Ce qui veut dire que les personnes qui sont du côté pur et dur de la psychanalyse vont pas écouter le reste et vont rejeter systématiquement parce qu'il attaque la personne et le concept. Et je vois pas l'intérêt. Par contre, effectivement, toute la première partie de synthèse sur le timeout est magnifique. Elle est juste au top, quoi. Donc, ouais. Donc je pense que c'est un peu ça qui va faire la différence. Moi, je suis plus dans l'idée d'ouverture du débat. Je pense que ça sera mieux. Mais après, voilà. Après, il y a peut-être des gens avec qui on ne peut pas débattre. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc, ouais. Bien. Mais écoutez... voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de faire. C'est parti un peu sur un coup de tête, pas qu'il y ait un si grand coup de tête, puisque j'en avais parlé à l'époque où le podcast était sorti, puisqu'il est sorti quand même en mai 2022, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais ouais, je pense que c'est un petit coup de tête, mais qui m'a fait plaisir personnellement. C'est ultra égoïste hein, ce que je vous dis, mais ça m'a fait plaisir, parce que je pense que ça peut être intéressant de pouvoir... communiquer ce genre de choses. Peut-être que le format est pas approprié, mais c'est pas grave, du moment que ça me fait plaisir à moi, c'est le plus important. Ça, en tout cas, au vu de vos questions, de vos échanges, et ainsi de suite, j'ai l'impression que ça a pu répondre aussi à certaines des questions que vous posiez. Donc,
L'idée, c'est qu'on va continuer sur la page à développer ben, les questions-réponses, hein, les lives questions-réponses. Je vais essayer de faire plus de lives, peut-être comme cela, d'amener plus d'infos, peut-être aussi sur tel ou tel sujet. J'espère que ben, ça vous aura avancé, répondu à certaines questions, que vous avez appris soit à me détester, soit à apprécier peut-être le ton qui a été utilisé. Donc, n'hésitez pas, évidemment. S'il reste des questions, je passerai. À mon avis, demain, j'essaierai de passer dans le chat et d'essayer de voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre par écrit. Je vais essayer de faire ça demain, comme ça, parce que j'ai pas pu le suivre directement. Donc voilà. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être vous souhaiter, parce qu'il est déjà 20h36, donc pour ceux qui ont des enfants ou qui ont envie de manger quand même à un moment donné, ben, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Alors, je vous rappelle, cette semaine, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live dimanche parce que je pars en Bretagne samedi matin. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. J'essaie de repasser, de voir un petit peu, de répondre à vos questions et de voir un petit peu ben, comment je vous tiens au courant de la suite. Parce que je vais faire passer vraiment le message. C'est important pour moi que ça soit transmis. Et je vous tiens au courant de la suite. Ça marche? Donc je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve tout bientôt sur la page. De toute façon, il y aura des informations qui vont arriver. Il y a un témoignage qui arrive d'ailleurs demain ou vendredi, je sais plus. Mais vous aurez de la lecture en tout cas pour la fin de semaine. D'accord? Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions qui viennent après sur la diffusion, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à mettre dans le chat. J'essaye de passer le plus vite pour répondre à toutes vos questions. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, à tout bientôt, et on se retrouve sans doute pour d'autres informations autour du TDAH. Allez alors, ciao!